Raisi mie vile vile ataweza kujua namna gani kutafuta suluhisho, tufanye kitu gani juu ya kuokoa nchi, ili raia nao vile vile waweze kujitambua, waweze kujikuta, raia waweze kuwa katika hali bora, sababu katika masemi yake kila mara anasema le peuple d'abord, ngisema ni raia kwanza, yaliyo mbele ya yote ni raia kwanza. Basi ndio anatamania katika mazungumzo hiyo waweze kupata suluhisho, raia waweze kuona kwamba kweli kuna hali ya utulivu. Leo sisi raia wa Kongo tuko katika hali bora, hali ya kijamii, sababu ni shughuli yake ya kila siku kusema kwamba kuweza kutengeneza hali ya kijamii ya raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Son entrée dans les lieux où il consulte, et dans quelques instants ça va bien commencer. J'allais dire que ça a même commencé, parce que là il demande à ses interlocuteurs de prendre place et de commencer l'essentiel de ce pourquoi ils sont ici. C'est le directeur de cabinet du président de la République, le directeur de cabinet à l'intérim du président de la République, et Berende Kolongele, qui est donc à côté du chef de l'État pour l'aider donc dans ses consultations, quelquefois prendre note, même si le chef de l'État lui-même a incarné à côté de lui un stylo pour noter l'essentiel de ce que c'est.
personnalités et ces personnes qu'il consulte lui disent. Et là, ce sont les organisations du suivi du processus électoral. Là, c'est Jérôme Bonto, certainement, qui se présente auprès du chef de l'État et ils sont. Ce sera le cas pour toutes les personnes autour de cette table-là. Le président de la République doit identifier les personnes qu'il consulte et les organisations qu'il représente, parce qu'il fallait bien des organisations les plus représentatives qui soient. Et là, c'est M. Moula, si je ne me trompe pas, ancien de la société civile et de ses Moula, et c'est Bishop Djamba de Simosel, certainement, qui a été très très médiatisé au moment de la publication des résultats. C'est Bissima, qui lui aussi est de l'AEPH, si je ne m'abuse. Et donc, voilà, c'est un groupe représentatif dans ce secteur du suivi du processus électoral en République démocratique du Congo. Comme la Commission électorale nationale indépendante a été entendue par le président de la République, je veux dire consulté par le chef de l'État, il est de bon aloi que ces organisations qui ont suivi la CENI de l'extérieur donnent leur point de vue sur le processus électoral et les réformes qui divisent malheureusement les deux regroupements de la coalition, parce que cela a été évoqué par le chef de l'État dans son adresse comme un point de divergence fondamentale entre le FCC et le CACH. Il faudrait donc maintenant que, à la lumière de ce qu'il aura écouté de la CENI, mais aussi ce que ces spécialistes du processus électoral en indépendant lui auront dit, il fera la symbiose de tous ses propos pour analyser froidement cette question de la réforme électorale et engager le pays sur une voie qui le mette à l'abri de discussions inutiles et improductives sur la crédibilité du processus électoral. Ces réformes vont certainement permettre au processus électoral d'être le moins contesté possible. Cela donc veut dire que les intervenants que le président de la République va recevoir doivent être le plus véridiques possible, le plus sincère possible, pour lui dire exactement la vérité. La seule vérité qui va lui permettre, en tant que garant de la nation, de prendre de bonnes décisions. Cet appel a été fait par Joseph Olengankoy et je crois que les hommes d'église qui sont passés ont réitéré le même souhait. Il faudrait bien que seule la vérité soit dite au président de la République, plaisante ou déplaisante en tout cas, que la vérité soit dite pour que les décisions les bonnes soient prises par le président. C'est tout ce que nous souhaitons et c'est ce que nous pensons, que les acteurs choisis par le protocole d'État ou le président de la République pour être consultés diront ce qu'il faudra dire au président pour que l'avenir soit radieux et que l'action du gouvernement ne soit pas entravée par quoi que ce soit. Mais ceci passe par des décisions d'une portée politique importante. Nous n'anticipons pas sur ce que le président dira, mais nous pensons qu'à la lumière de ce que les consultations auront donné, les décisions seront certainement prises. Parce que la République doit avancer, la République doit marcher. Et parmi les hommes d'église qui sont sur la liste d'attente, il y a justement le Paul Mutombo Kalombo du ministère Amen. On a vu en passant le Dempoï, on a vu évêque Mukuna Pascal, on a vu aussi le pasteur Bahouti, si je ne m'abuse. On a vu quelques personnalités importantes du monde religieux qui sont là. C'est le pasteur Mukuna, évêque Pascal, mais aussi de Dempoï, qui est en même temps
président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'est un élu de la ville de Kinshasa et il est ici comme homme d'église. Il va être consulté lui aussi par le président de la République, mais en compagnie de ses collègues, eux qui gèrent les âmes de croyants qui viennent quasiment tous les jours de la semaine pour les écouter. Ils ont une belle influence sur la communauté nationale. Et je vous disais de vous parler du pasteur Barouti, il est là. Il est donc parmi les personnes qui seront consultées par le président de la République. Et tous, j'estime qu'ils ont le souci du pays dans le ventre. Et cela étant, ils vont dire au président ce qu'il faut lui dire pour qu'il soit éclairé dans la décision qu'il va prendre. Il est important que ces personnalités continuent à prier pour la République, mais aussi pour le chef de l'État, lui qui a la responsabilité des 70 millions de Congolais. Il a bien besoin de la grâce divine, il a bien besoin de la sagesse divine pour nous épargner de décisions qui relèveraient de sa propre intelligence, parce que sinon on irait droit dans le mur. Je crois que le président de la République n'a pas caché sa chrétienté. Et bien sûr, cette lancée et sur cette voie, il attend bien sûr que les hommes de Dieu qu'il consulte, ou même ceux qui ne consultent pas, continueront à prier pour lui et pour le pays, pour que nous soyons sur le bon chemin. Et je crois que de part et d'autre, que ce soit au CAJ, que ce soit au FCC, que ce soit à la MOUCA, que ce soit partout ailleurs, il y a des hommes de Dieu qui croient bien faire avec honnêteté et sincérité des cœurs, mais ils doivent avoir une seule chose qui les mette ensemble, c'est l'amour de la patrie, et chacun, ce qui le concerne et partout où il se trouve, devra travailler dans cette perspective. Ces consultations commençaient depuis près de 6 heures maintenant. Le président de la République a reçu plusieurs groupes, mais il y en avait 21, y compris les personnalités qui devaient être reçues in situ et personnées. Mais jusque-là, nous n'avons pas encore atteint les 10 groupes. On est justement au 10e, si je ne me trompe, au 7e. Voilà. Donc on est encore très loin de ces 21 groupes. Et le président de la République, forcément, à un certain moment, pourra renvoyer à demain, si pas à plus tard, la rencontre avec d'autres. Nous ne sommes pas encore là. Le président de la République est endurant. Il peut bien se décider de poursuivre ses consultations jusqu'au bout du groupe prévu pour aujourd'hui. Giscard Kossema, quelques minutes nous a un peu abandonné là. Il a été à d'autres charges, bien entendu. Il nous revient certainement avec quelques autres informations, mais nous allons continuer à échanger avec lui sur ces consultations qui ont commencé depuis plusieurs heures maintenant. Le président de la République a connu un break. Maintenant, il revient pour reprendre ses échanges, cette fois-là avec les organisations qui sont spécialisées dans le suivi du processus électoral. Ils ont certainement des choses à dire sur la réforme qui, malheureusement, est un des points de discorde entre lui et ses partenaires du FCC. Ils vont donner les avis. Et auparavant, d'ailleurs, il y a quelques jours, il y a un groupe de 13 personnalités qui se sont mises ensemble et qui ont fait des propositions dans ce sens. Ils ont rencontré tout le monde, tous les grands groupes significatifs ont été consultés, à l'exception justement du Front commun pour le Congo, qui s'était réservé de ne pas recevoir ce groupe, estimant que toute forme de négociation sur quelques réformes que ce soit devrait se faire dans le cadre des institutions établies. Mais voilà que ces institutions, ces organisations de la société civile qui se chargent du processus électoral ont des informations à donner au président de la République et il va les suivre. Giscard Kossema, nous sommes partis pour passer une bonne partie de la soirée ici parce que le président de la République doit recevoir ses invités. Oui, après un petit moment de répit, les consultations viennent de reprendre ici
au Palais de la Nation, et la nuit ne nous empêchera pas en tout cas de découvrir ces rendez-vous importants et historiques. Le président de la République, comme vous l'avez bien dit, en ce moment en train d'échanger avec le collectif des organisations du suivi du processus électoral. Comme vous le savez, la réforme de l'administration électorale est un enjeu important pour le président de la République. Des voix se sont levées ça et là pour demander la réforme. Quelle forme prendra-t-elle? Nous pensons que l'AETA, le Simoncel, le RENOSEC, le REGED, le CC, CIPSC et le ROC vont donner des idées au président de la République qui avait en premier lieu reçu le bureau même de la Commission électorale nationale indépendante dans le cadre de ces consultations. Et dit cela, nous sommes allés aux nouvelles pour la poursuite de ces travaux. Il est vrai qu'aujourd'hui, la journée a été entièrement consacrée aux acteurs de la société civile, mais aussi aux personnalités de la société civile, institutions d'appui à la démocratie issues essentiellement de la société civile. Mais pour demain, l'honneur revient aux mouvements citoyens, à d'autres structures de la société civile comme les mouvements citoyens, les associations corporatives les plus significatives. Au passage, nous citons tout ce qu'il y a comme Lucha, Filili, l'UNPC et beaucoup d'autres structures corporatives qui seront reçues ici dans le cadre de ces consultations. Nous voulons rappeler à ceux qui viennent de nous prendre en cours que l'idée d'organiser ces consultations avait été annoncée par le président de la République en personne au cours de son grand oral du 23 octobre dernier. C'était en direct de ses bureaux de la cité de l'Union africaine. Dans un court message de 6 minutes, le président de la République annonçait l'organisation prochaine des consultations présidentielles dans l'objectif de pouvoir créer une union sacrée. C'est une décision qui a été motivée par les constats qu'il s'était fait lui-même de voir que son programme du gouvernement, sa vision, avait du mal à prendre de l'envol à cause de certains pesanteurs politiques. Il a fustigé en des termes un peu plus clairs, le comportement de partenaires de la coalition. Il a relevé quelques divergences profondes et persistantes qui l'ont poussé à faire ces moments d'arrêt, de pouvoir prendre langue avec tous ces acteurs politiques et sociaux avant d'annoncer des grandes décisions pour le bien du peuple congolais et au nom de l'intérêt supérieur de la nation. Le président de la République est donc ici au palais de la Nation depuis 11h30. C'est à 11h30 qu'il a reçu le tout premier. Et je crois que c'est ce groupe aussi qui a passé un peu plus de temps, en tout cas un peu plus d'une heure, avec le président de la République. Et nous avons suivi l'interview qu'a accordé Corneille Nanga, le président de cette administration électorale. L'idée de consultation n'est pas sa première expérience, hein. C'est pas la première fois que dans l'histoire de notre pays qu'un président de la République procède à ces consultations. On se rappelle que Mobutu, à la croisée des chemins vers les années 90 sur le multipartisme à la mode un peu partout, avait organisé ce qu'on avait appelé les consultations populaires. Et à l'issue de ces consultations populaires, le maréchal du Zaïre avait prononcé un discours resté tout aussi historique avec une phrase répétée par tout le monde, comprenez mon émotion. Il prenait congé du MPR et adhérait au multipartisme. Et devant la nécessité
le quatrième président de la République démocratique du Congo, le prédécesseur du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui aussi avait organisé des consultations à sa manière. Il les avait appelées les concertations de la cité de l'Union africaine. Arrivé fin mandat, il avait connu des difficultés à pouvoir organiser des élections dans les temps constitutionnels. Et on parlait des glissements, de la prolongation. Et face à cette crise, il s'est vu dans l'obligation d'organiser les concertations nationales. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une crise qui a poussé les présidents de la République, mais c'est un constat. Il fait un constat, on fait du surplace. Il a son programme du gouvernement a du mal à prendre l'envol, alors que la population attend beaucoup de lui, mais il sent qu'il y a des pesanteurs, beaucoup de pesanteurs d'ordre politique, beaucoup d'actes de mauvaise foi dans les chefs de partenaires, dans la coalition de gouvernance. Voilà pourquoi il a pris cette initiative. Il a tendu sa main à toutes les forces politiques et sociales les plus significatives, ceux qui ont de l'ancrage au sein de la population, pour essayer de changer et se donner une nouvelle direction. Alors, quelle forme prendra la fin de ces consultations? Nous allons le savoir dans les jours qui suivent, mais le président de la République, à ce sujet, avait été clair. Pour lui, toutes les options sont envisageables. Toutes les options, c'est-à-dire y compris la dissolution ou la reconfiguration de la revisitation de la coalition, la recomposition de forces politiques, tout ça sont des choses qui relèvent du possible, mais on n'en est pas encore là. Nous attendons et nous en saurons un peu plus dans les jours qui suivent. Beaucoup de questions nous ont été posées par des téléspectateurs qui nous suivent depuis la mi-journée pour savoir combien de temps prendront ces consultations. Nous avons posé la même question au protocole d'État qui nous a dit que le président de la République reste ouvert sur cette question. Donc il n'y a pas un délai, il n'y a pas une limitation temporelle. Ça dépendra, on verra bien, mais le président de la République voudrait que ces consultations se déroulent le plus courtement possible, hein, que cela se passe en un temps record pour nous permettre de passer à la vitesse supérieure à la prochaine étape. Donc on ne va pas s'éterniser autour de ces consultations. Il n'y a pas non plus de délai, mais ce qui est vrai, c'est que ça ne prendra pas des semaines. C'est une question des jours. Ça peut être 6, 7, 8, pourquoi pas 10 jours, mais ce n'est pas une question de semaine, c'est une question de jours. Il fera la compilation et adressera un message solennel à la nation, dans lequel message il va donner toutes les résolutions, les recommandations issues de différents entretiens avec les acteurs politiques de premier rang. Giscard Koussema, les consultations se poursuivent sans désemparer. Les échanges en ce moment sont entre le président de la République et les organisations spécialisées dans le suivi du processus électoral. Il les consulte parce que justement, il faudra lever une option sur les réformes à entreprendre. Il y a des propositions de loi à l'Assemblée nationale, la proposition de l'honorable Christophe Lutundula, notamment, qui devra être remis sur la selle et puis débattu à la plénière. Je crois qu'au cours de cette cette session, cette proposition de loi devra être débattue à la plénière pour adoption avant une seconde lecture au Sénat, nous pensons, et cela va permettre aux uns et aux autres d'y apporter des amendements pour que nous ayons une loi électorale beaucoup plus
efficace comparativement à celle qui nous a conduit jusqu'à ce moment, c'est de ces réformes. Les réformes ne sont pas seulement la loi électorale. Je crois aussi que la loi organique sur la Commission électorale nationale indépendante devra subir quelques modifications sans entrer dans les secrets de Dieu. Je pense que les questions relatives à ces différentes lois qui encadrent le processus électoral et les acteurs de ce processus sera forcément révisité. Mais c'est justement sur ces questions que les divergences ont émergé entre les partenaires de la coalition. C'est pour cela que le président a décidé d'associer un plus grand un éventail des représentants du peuple dans différents domaines pour qu'ils apportent leurs avis et considérations sur cette question. Et ce sera fait. Le président de la République a entamé ses échanges avec la Commission électorale nationale indépendante, qui elle aussi a fait un jugement de l'intérieur sur les nécessités qu'il faudrait amorcer au sein de la Commission électorale nationale indépendante en ce qui concerne son administration, mais aussi son leadership. Et puis les organisations qui ont suivi le processus électoral ont certainement des avis à donner sur cette réforme attendue de tous et le plus rapidement possible pour que cela n'entame pas le calendrier. Les élections doivent avoir lieu en 2023, c'est une exigence constitutionnelle. On verra pratiquement ce à quoi ces atermoiements sur la réforme de la CENI et sur la réforme des lois autour de cette CENI et de l'action que la CENI doit mener, vont nous mener. Voilà. Sur d'autres matières comme la sécurité, comme la diplomatie, comme la territoriale, c'est des choses qui devront être débattues essentiellement avec les politiques, mais je crois que l'idée du président de la République de commencer par les forces vives, la société civile qui n'est pas très active en politique ou qui n'aime pas une politique active dans le sens de se battre pour avoir le pouvoir, c'est de façon un peu désintéressée que ces acteurs vont donner des avis sur ces matières. Alors il viendra le moment de ceux qui sont très intéressés par ces matières électorales, ces matières de diplomatie, ces matières de territoriale, les acteurs politiques. Ils viendront, les institutions aussi politiques de la République viendront. Je crois que tout le monde a intérêt à participer à ces consultations, qui ne sont du reste que des occasions pour le président de la République d'écouter le peuple qu'il n'écoute pas tous les jours, afin de forger son intime conviction, son intérieur. Lui qui est magistrat suprême va devoir prendre des décisions importantes pour la République. Il ne faudrait pas qu'il le fasse, même si la Constitution lui autorise, qu'il le fasse en temps que seule personne. Il met à contribution toutes les intelligences de la République, et parce que la RDC en a besoin, pour que le moment venu, quand il s'adressera à la nation, la majeure partie des Congolais se retrouve dans les décisions qui vont être prises. Je crois que c'est le sens même de ces consultations, parce que le chef de l'État, la Constitution qui a réglé toutes les matières, lui a conféré un pouvoir assez important pour pouvoir gérer la République démocratique du Congo. Je rappelle que les points sur lesquels le Conseil économique et social est revenu, notamment le respect de la Constitution, la sécurité et la stabilité des institutions, rentre justement dans la volonté exprimée par le président de la République d'asseoir ce respect des institutions, cette stabilité des institutions, mais surtout le respect de la Constitution. Cette Constitution de laquelle le président de la République tire tout son pouvoir, c'est cette même Constitution qui encadre tous les jeux politiques en République démocratique du Congo, qui a conféré le rôle à des institutions et aux personnes qui les animent. C'est cette constitution même-là que tout le monde appelle avec tous ses voeux au respect. Et je crois que le président de la République lui-même, qui a mis le premier gardien, ses vertus à protéger cette constitution et à observer ses dispositions couchées en forme de loi suprême de la République
démocratique du Congo. Tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, de l'un ou de près, estiment que la Constitution a été violée ou ne l'a pas été, ont à présent la possibilité de se référer à la Cour constitutionnelle qui affiche désormais complet avec ses 9 membres. Elle est, j'imagine, en train de se préparer à mettre en place son bureau. Dès que son bureau sera installé, le président de la République aura investi par une ordonnance justement ses bureaux. Je pense que la Cour constitutionnelle en ce moment-là sera en mesure de se réunir en plénière ou en chambre, c'est selon, pour examiner les matières soumises à sa sagesse. Et tout celui qui a un problème d'interprétation de la Constitution se référera à cette Cour constitutionnelle et elle seule va devoir statuer et en premier et dernier ressort dire si les dispositions constitutionnelles ont été violées ou pas, est-ce que les décisions prises par le président de la République ou une autre institution sont conformes à la Constitution ou pas. Dès qu'elle s'est prononcée sur ces questions, les arrêts de la Cour constitutionnelle sont indiscutables, sont irrévocables, alors la messe sera dite. C'est comme ça que la République s'est organisée pour que ce soit le cas. Ce ne sera pas l'interprétation des X ou l'interprétation des Y, ce sera l'interprétation de la Cour constitutionnelle qui va s'imposer jusqu'à Kusema. Nous venons de recevoir une question d'un téléspectateur qui se pose la question de savoir si le président de la République dispose d'une marge de manœuvre assez importante pour faire basculer la majorité parlementaire de son côté. Bon, il s'agit d'une question très pertinente, et dit Tchala. Nous venons de recevoir aussi, nous avons posé la question à un spécialiste du droit parlementaire qui nous dit qu'il est vrai qu'au début d'une législature, chaque député choisit son groupe parlementaire dont il s'inscrit, soit dans un groupe de l'opposition ou de la majorité, et il y reste. Mais cependant notre spécialiste nous dit ceci, que en vertu de l'article 54 du règlement intérieur, qui voudrait que les députés partagent les mêmes opinions au sein des groupes parlementaires, chaque député est libre donc. Un député ne saurait être forcé de demeurer dans un groupement politique dont il ne partage plus les mêmes opinions. Bien plus, le vote parlementaire est individuel et donc le député doit jouir pleinement de son droit de poser un acte qui provienne de sa conscience. On doit ainsi retenir que la caporalisation vécue régulièrement par un ordre imposé n'est pas une pratique démocratique. Cela relève tout simplement d'une pratique dictatoriale inadmissible dans un état de droit qui se veut aussi démocratique. Un député sommé de suivre un schéma autre que celui pour lequel il s'est engagé, puis s'en référer à la justice et obtenir l'éloignement d'un regroupement qui s'est écarté de la ligne du départ. Et donc, trêve de consolation, cher Eddy, il est clair que le mandat du député est non impératif. Donc chacun est libre lorsqu'il estime que le groupe parlementaire dans lequel il évolue ne partage pas le même idéal que lui. Il a les droits de les quitter. C'est le droit d'ailleurs le plus élémentaire. Donc ceci étant, la reconfiguration est donc possible si l'on veut l'obtenir par cet exercice démocratique. Mais j'insiste que nous n'en sommes pas encore là et qu'à l'heure d'aujourd'hui, tout le monde bénéficie de la présomption du bon sens et on estime que ces consultations ouvertes par le président de la République donnent l'occasion justement à chacun des acteurs politiques, de quelque bord que ce soit, de pouvoir s'exprimer librement devant lui, de donner ses propositions afin de sortir de cette situation. Donc ce qui importe ici, ce n'est pas la situation d'un camp politique ou d'un groupe d'individus, mais ce qui importe ici, c'est
le bien-être de la population congolaise. Comment comprendre qu'un programme du gouvernement qui traduit la vision du président de la République est du mal à prendre de l'envol à cause simplement de certains soubresauts politiques? Cela, il est inadmissible. Et le président de la République l'a compris, il a dénoncé publiquement et veut apporter des réponses qui passeraient par toutes les voies possibles, y compris celle d'une reconfiguration de la majorité. Ce n'est qu'une des options. Il y en a plusieurs, en tout cas, Eddie Tchala. Hein, ça peut être la dissolution du gouvernement. Ok, on peut le partage de responsabilités. Bref, tout ce qui sera fait le sera dans l'intérêt du peuple congolais, et tout en respectant en tout cas la Constitution. En respectant la Constitution, le président a lui-même dit que le salut du peuple est la loi suprême et les décisions qui seront prises seront forcément à l'avantage du peuple de la République démocratique du Congo. Ces juridismes autour de la reconfiguration de majorité, de l'Assemblée nationale, des solutions, de tout ça, nous avons dit tout à l'heure que chacun est libre de se faire son idée sur les lois relatives, mais en tout cas, il y a des juridictions en République démocratique du Congo qui ont la possibilité ou auxquelles la loi ou le législateur a conféré le plein droit d'interpréter les textes de loi, et ces juridictions existent bien et seront bien occupées à le faire. Alors les uns et les autres doivent bien se tranquilliser, ceux qui ont peur doivent prendre leur mal en patience, ceux qui sont pressés doivent justement ajouter un peu plus de patience à leur précipitation. Ils verront bien les décisions auxquelles le président de la République aboutira, mais en tout état de cause, ce seront les décisions qui vont aller dans le sens du bien de la République démocratique du Congo. Beaucoup de maîtrise, beaucoup d'intelligence, beaucoup de sagesse. Ça, c'est la prière de beaucoup de Congolais en faveur du président de la République, pour que la République démocratique du Congo, cette puissance qui s'ignore au cœur de l'Afrique, devrait bien se réveiller. C'est déjà le cas, je pense. Alors, il ne faudrait pas que des distractions dictées par des intérêts individuels puissent gêner le développement de cette République. Je crois que ceux qui se sont indexés dans cette désignation du président de la République, que ce soit du côté du CASH ou du côté du FCC, devraient normalement se sentir gênés. Et je crois, même si l'on dit que les personnes, les politiques sont amoureux, je crois qu'ils ont le temps de faire des introspections et réaliser qu'ils n'ont aucun intérêt à voir tout le malheur de la République retomber sur eux ou saccager des efforts consentis par plusieurs personnes parce qu'ils ont des intérêts à protéger. Je crois qu'eux-mêmes, où ils se trouvent, ils doivent avoir réalisé la nécessité de se passer au profit de l'intérêt général, et cela permettra qu'au terme de ces consultations entreprises par le président de la République depuis pour cet avant-midi, vont aboutir à des solutions acceptables par tous, même si vous devez le retenir, il n'y a pas d'unanimité, même Dieu lui-même n'a pas fait unanimité dans les décisions qu'il a prises. Cela va avec les humains qu'il a créés sur cette terre des hommes. Il est impossible de faire l'unanimité, mais les décisions seront prises et il y aura des gens pour les contester, il y aura des gens pour le soutenir. Ce qui est important, c'est que le président de la République s'est engagé à respecter la Constitution de la République. Il restera dans le cadre de cette Constitution et des dispositions qui réglementent la collaboration entre les institutions, mais aussi le fonctionnement des institutions entre elles. Je vous ai rappelé ici la mission de la Cour constitutionnelle dans l'adresse du président de la République. Il a rappelé que maintenant, l'état de droit dont nous rêvions tous et pour lequel il est en train de travailler compte une Cour constitutionnelle qui a tous ses 9 membres,
qui peuvent valablement siéger, ils siégeront et donneront des réponses chaque fois que des questions seront posées sur la constitutionnalité des actes des uns et des autres, mais aussi, et pourquoi pas, le Parlement et la reconfiguration de la majorité. Et donc on a parlé tout à l'heure par un téléspectateur qui a posé la question et que Giscard Kossema a essayé de répondre, bien entendu. Cette question-là du juridisme sera bien traitée par les institutions habilitées si jamais ce problème-là se posait. Mais rappelez-vous seulement que le député de la République démocratique du Congo n'a pas un mandat impératif et le règlement intérieur évoqué ici est une disposition ou bien et l'ensemble des dispositions votées une après une autre par ces mêmes députés. Ils peuvent donc à l'unanimité revoir ces dispositions sans que cela ne gêne personne. C'est un règlement intérieur adopté pour l'Assemblée nationale et elle peut revenir sur ces dispositions tant que cela n'énerve pas la Constitution sans beaucoup de difficultés. Alors nous allons laisser les juristes s'occuper de ce qui les concerne, pas tout juriste, mais en tout cas les juridictions appropriées pour s'occuper de ce genre de questions. Si jamais cette question se posait, ils tableront dessus et donneront des solutions avantageuses pour la République démocratique du Congo. Mathieu Modibangu, le locuteur de la langue lingala, est en train de suivre en ce moment la radio-télévision nationale congolaise et des questions se posent, les consultations elles se poursuivent. Plusieurs questions justement, des réponses viendront au fur et à mesure que ces questions nous parviendront. Mais il te semble, le président de la République n'est pas au bout de ses forces, il a encore toute son énergie. Il va, selon toute vraisemblance, s'occuper à consulter toutes les forces déjà prévues au programme et elles sont sur le point d'être sur par le président de la République parce qu'en ce moment, il est en train d'échanger avec les organisations de la société civile spécialisée dans le suivi du processus électoral. L'AETA, Simocel, REGED, RENOSEP. Et tous les autres, ils sont tous là, en train d'être consultés par le chef de l'État. Na commune ya Gombe, kati ya Bilondi ke mokambe kolo Félix Antoine Tshisekedi azali koyamba ba kambi ya masanga maike ezala moko na moko ezala kati na Limpinga pe na tina Bosombikini masolo kolandisa makanisa na mokambe kolo pense ke kata disikulu ya ye eke akozala na ntango ya koyamba na mbotama bakambi baike mpona koyeba makanisi pour total le mécan ya bokeli union sacrée de la nation et que l'option congo démocratique pour la fin de votre bon misala ya l'état masse ma bande qui na lingomba ya sini le reste de kambeni wa corne inanga yobo le kambi ya bino ya sini et sika oyele ko eye sika mo kambi ya kolo fe chanter ce que tu l'embo azare ko mba masanga mabaye pour la cause na boko pour la fin de ma langue la nuit ya maima terna pona nyoka tukula tsuko wa demokrati lokola Aeta, lokola Simosen, lokola Renosete, Rezon, SSI, Rek, bangoda soba zami kuna, na tina ya boka bo masolo ma ye, na mokambe kolo, feri chantan tseke chilombo. Masolo, mabane kwa kwa demokrati, ezali se mzela yoko ya bobimisi, biyano bilongo bani na tina ya misala, na leta okati ya ekolo na landaki mwa malamu mwenye wangayi jiska kusema adonk sa kibiso mwa sinamote atalisi maloba maye komprenende remosyon eza maloba mabimata epa ina kama kongwa kala ya zai oeleko wa sangisa ki babotama ipa ina bipay kongwa kamela bosenga babango pene na babotama baike tunza baike bakumaka mintanda
kokati yekolo abiso Congo démocratique yango penza ezali ndanga yango ezali penza montere ela mpona tina ya misana niweza kosala kati ya kolo RDC na yango tokundu labinete na moko mwalelo tulego tobaki masanga pe na tukumba na moko mako yambema epele na mokambi kolo twali kopusana lolenge tobandaki yango na ngonga ya zumi na moko na ndambo kino sikawa ezali nde mosala me RTNC ezali kososolisa bino bipai biso bozwi libaku ya kolanda totalisaki bino ete na nsima bokaboli masolo mantina na bakambi balingomba ba conseil économique et social Serge Obokuse pe lisusu elongo na mokambi ya sime sika ezali ngala ya lipinga linene ya ba société civile pe babalandelaka mingi ezala mai matali maponami okati ya ekolo ya biso Congo démocratique maponami maselemaka okati ya lingomba ya seni kasi ezali masanga maiki mpe balandelaka yango mpona kotala lolenge kani mandi matali maponami baza kotambola okati ya ekolo bongo na molai bango kati ya bazali sika obilo ya mokambi ekolo kati na masolo ezali bongo bayebi ngomba aita bazali bongo ba simosel azali na renoset azali na reged sc rock bafandi kuna mpona ntina ya kokabola masolo mpe soko bango basilisi na banzete ezala bakambi ya biyamba tomoni arme disali bazali na biso elongo moko tomoni eglise reve bazali awa ezala ba eglise orthodoxe bazali bangunza bazali mpe babiyamba biike bibizali na biso elongo bayeba koyambama epai na mokambi ya ekolo Félix Antoine Tseke Tshilombo ezali kotalisa ete masolo na ye mazali kokende mpenza mpo ete na elaka ya mokuse eyelongobani na mabongisi mayeme mokambi ekolo na elaka ena ayeba bongo kozala na biyano bya ye ayeba kotala nini akosala nini akobongisa mpe nini akoleka boso babotama mpona koyebisa bango tobotala osima ya masolo mayemanso masalemi kasi biyano byango mpe bilembo bibotami byangoyo na kati ya masolo mantina mayemasalemaki na etomba ya bana ekolo Congo démocratique masoma ye mazali mpona kotalisa ete ya solo ekolo ya biso Congo démocratique sema ya makanisima ya mokambi ekolo ezali mpenza na eleko ya kotombola bendele mpo ete masoma kende oboso ya botomboli bendele mpo ete botombami bwa RDC bomonisama kaka mpona etombi ya bato songolo pakala te kasi mpona bambotama benso ba ekolo ya biso Congo démocratique lolenge mokambi ekolo alingi ezala mombotama ya suka yango mononi ya kati ya disikuro ya ye tembete alobaki motango mwa bana bao baza kobotama mobu na mobu akei kina kopesa motango mwa bana bao bazali kobotama mpona kotalisa ete ezala babotami lelo kuna na lopitalo aza na litomba ya kobika bakoma na nzoto bolamu aza na litomba ya kobika ebikeli yoko elamu kati ya ye aza na litomba lobi soka koli atanga kelasi malamu ya ofele nyonso mana mazali so kati ya mabongisi maye mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza kosala ntango nyonso mpona bana ekolo Congo démocratique mpona kotalisa ete makanisi maye mazali kolongola moto te azali kosangisa banso se ometa moko onzela ya masolo mpona kotala lolenge kani ya bomemi ekoa eye kino ekokoma na esika na yango ete mabiyano bya malonga biyano bya bisengeli mpe makanisi mokano ma mokambi ekolo moseke kosalema pamba te ye azali naino kongole wa yambo ye azali na etinga ya bosangisi bana ekolo Congo démocratique azali elembo ya lisanga ya bomoko ya bana ekolo Congo démocratique yango alingi ete manso mpe maleka be onzela ya masolo mabomoko na bana ekolo Congo démocratique awa kati nguma mokonzi Kinshasa engumba eye esangisi bituka tuku mibale na motuka ya ekolo ya biso Congo démocratique mpona ntina kolanda onzela ya radio télévision nationale congolaise mpe okati ya molongo mpona nini te na molongo mobimba mayemanso maza koleka awa na mokonzi Kinshasa kuna na palais de la nation epai wapi bakambi baike bazali baike bayambemi baike bazali kozila mpe ngonga na ngonga eleko na eleko ntango na ntango mpona kokota okati ya bilo kosolola na mokambi ya ekolo mpe nyonso ezali bongo kotalisa ete Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo
ajingete bananaye ya kati kwa kwa demokrati babika na renange ya maramu babika bomo ibobo nongo bani po misalami ya leta mitambola malamu onjira ye misalami za kutambola eko yongo ezalate onjira ye pekisele ezalate kasi meso matambola wakola waka na masini eko tambola malamu malamu pe yango kubotete eko la mso kongo demokratik e menisama botopa nida yango okati ya bipendole biso ya ekolo na renge elongo bani tena kabo senga mamo kambia ekolo felicia kateke kilombo wana alingete maso mazara malamu penza pona bani ekolo Astrid Okongo na inayo tuzali kukendesika omonyele mo ekolo abiso kongo demokratik bandeko bazali kuna balingibo sosora maimaza koleka au pale vila nasyo sika lankota ya Swahili pamba te wakati ya mabela mabango bazali penza na bosenga ya koeba maemaso toliko sara awa na masoroma ye mokambi kongo asani na ngo asani kongo ya solo mate mudibangu bandugu wa penzi tunapatikana pa ku Palais de la Nation tangu mbele ya zuri ndiye iliweza kuanzisha kabisa mahusiano ama mazungumzo ya raisi pamoja na vigundi mbalimbali ya baraza la raia kwa kuweza kutafuta tu suluhisho juu ya kuweza kupata jibu kutokana na shida mbalimbali ama swali matatizo mbalimbali yenye kuwa katika nchi. Sasa ni uongozi wa yenye kufuatilia maendeleo ya kura ndio wanapatikana kwa hapa sasa, wako tu katika chumba cha kazi ya rais kwenye wako na mazungumzo pamoja na rais, kwani kuna kigundi cha AETA, Simosel, Renosec, Reged, SSC, CGPSC na ROC, vikundi vyo sita wana wako pamoja na rais kwa kuweza kuzungumzia, kuweza kumuonesha rais namna gani inafaa kufanya kwa kuona kwamba swali la kura nao vile vile kuweza kuwa mzozo juu ya kuchaguliwa kwa bwana Rostam Malonda iliweza kutosha kabisa mzozo kidogo. Ndiye wao kwani ni wajuzi, ni wafundi wenye wanaelewa zaidi kwa zaidi mambo ya kura. Nafikiria kwamba wataweza kumpatia rais manjia mbalimbali ya kuweza kufanya juu ya matengeneo ya tume inayohusika na mambo ya kura ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi vigundi mbalimbali viliweza kupokelewa na rais. Kila mmoja aliweza kumuonesha kumpa rais maonyo yake, mafikara yake, kwani ni yeye rais anapenda mazungumzo hiyo aliweza kuyaongoza juu ya kuweza kupata nia ya kila mtu, maono ya kila mtu juu ya kuweza kuangalia wapi inaweza kuendeka, wapi haikuwa inaendeka, tufanye nini kwa kuweza kuendesha na tufanye kitu gani juu ya maendeleo ya kudumu. Ndiyo jibu yenye rais kuna tafuta, na ni kwa hiyo aliweza kabisa kuongoza mahusiano ya namna hii, sababu wanasema Waswahili wanasema mkono mmoja hauoshe mai, inafaa mikono mbili. Nikusema kwamba peke yake hataweza, inafaa watu wengine waweze kumpatia maonyo fulani juu ya kusema aweze kufanya kitu fulani kwa yenye itaweza kufurahisha watu wote, na kila mmoja ataweza kusema kweli yenye tulimwambia rais aliweza kuyafuatilia kabisa. Basi ndiye gisi rais anaongoza mahusiano hiyo, kwani kuna wengi wakubwa wengi wakinaliki hapa kwa kuweza kutu kuwa na mazungumzo pamoja na rais, sawa vile Monseigneur Bukundoa wa SSC amekusha kufika hapa huko Kitako kwa kuweza kuwa na mahusiano pamoja na rais kwa siku ya leo. Kigundi ya Komiko yenye kuongozwa na bwana Sheikh Abdallah Mangal nao wako hapo. Armeji Sali wako hapa, wa Orthodox wako, makanisa ya kuamka wanasema Eglise de Reveil, makanisa huru ya Kongo, Pastoral National Congolais ya Apotre Mutombo Kalombo na iko hapo Kitako, mnaweza kumuona katika picha. Shauri kuu ya makanisa ya kuamka nao wako Kitako. Kanisa yani Eglise du Troisième Testament
na wako pale Eglise Banguza, kwani vigundi vyote vyote vinatamania kuweza kupokelewa na rais kwa siku ya leo. Kwa wale wenye waleza kupokelewa naye pale mbele, ni sawa vile sesa, sesake, sese, sembeashe, wenye waleza kupokelewa, wote, sawa vile Askofu Musengo Pasinya, sime, wote waleza kabisa kumonesha raisi maonyo yao, na waleza kumpatia manjia fulani fulani, juu ya kuweza kuangalia gisi gani ya kuweza kuopoa inchi katika matatizo fulani. Basi, ni matakio ya kila mkongomani kwa kuweza kutafuta suluhisho kadhaa, suluhisho kamilifu juu ya kuweza kutafuta ubora ya raia wa Kongo. Sababu raia wa Kongo wanapenda kimya. Ingawa kama matatizo ya mashariki mwa inchi kuna silaha yenye kusikilika, kweli usalama hautakuwa katika inchi nzima. Sawa gisi niweza kusema pale mbele, kama kidole moya kina maumivu, ni mwili mzima ndio utakuwa na maumivu. Sawa vile gisi mashariki ya Kongo iko na umia, iko na tatizo, iko na nyanyaswa, rais hatakuwa na utulivu, hatakuwa na usalama, hatakuwa na ukimya. Basi ni shughuli yake kwa kutafuta suluhisho ya kudumu katika inchi nzima, kwani anapenda kabisa usalama uweze kuwa katika inchi nzima. Ndiye mahusiano yuko naongezeka, iko naongozwa juu ya kuweza tu kutafuta usalama ndani ya inchi, kuwe utulivu, kuwe ukimya. Basi kweli wote wenye wako wanapita, kila mmoja kuna mpatia maonyo yake juu ya kuweza kutafuta suluhisho. Huyu anasema inafaa tuweze kufanya hivi, huyu anasema inafaa kukuwa mahusiano ya namna hii juu ya kuweza kukua na jua maonyo ya kila mtu, sababu na wafanya siasa nao vile vile wataweza kukuja, wataweza kuwa katika mahusiano hiyo. Hatujue ilianzisha leo, hatujue itamalizika siku gani. Na zingine tutaweza kufanya siku tano, siku sita, siku saba, hatuyajua, sababu kunaendelea, kwani wafanya siasa, kuna vigundi mingi ya wafanya siasa, na wenye wataweza kabisa kuhusika na mazungumzo hiyo yenye inaanzishwa kwa siku ya leo. Kwani leo ilikuwa ni siku zamu ya vigundi mbalimbali yenye kuhusika na baraza la raia. Sababu si mnaweza kuona senin ni kigundi kinahusika na tume huru ya uchaguzi ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sensa inahusika na mambo ya kufuatilia kabisa hali ya mwenendo wa nchi. Sembeashe, sesake, sime, yote ile ni kwa kuweza tu kutafuta namna gani usalama uweze kuwa katika nchi, namna gani kusikue ule mmoja anasema kwamba mie njo sikufaidia hata kitu moja, mie njo hawakusikia sauti yangu. Hapana, rais anasema kwa kuweza kumaliza hiyo mzozo yote, tuweze kumaliza mafitina yenye kuwa kati yetu, mzozo yenye kuwa kati yetu, inafaa kila mmoja aweze kutoa maonyo yake. Kila moja rais anaandika, anakamata, anasikia yote yenye wanasema. Ni kutokana na hayo yote, mazungumzo yao, masemi yao, ndiye kutaweza kupatikana suluhisho. Na katika mazungumzo, maonyo ya wale wote, ndiye rais ataweza kusema kwamba tutafanya hivi 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 juu ya maendeleo bora ya nchi, juu ya kuweza kuinua nchi, juu ya usalama katika nchi, ulinzi wa kudumu ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kweli wa ndugu wapenzi, ni jambo ya muhimu kabisa yenye sisi wote wa Kongomani tunapaswa kuitegemea kabisa. Tunapaswa kumuunga rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mkono juu ya kuweza kuboresha kabisa swali hii inaanzishwa kwa siku ya leo. Inafaa iweze kuboreshwa na iweze kuzaa matunda bora, matunda yenye kila Mkongomani ataweza kufaidia. Anasema kweli mazungumzo hiyo iliweza kuzaa matunda yenye sisi wa Kongomani leo tunafaidia. Sababu mazungumzo sio tu kwa siku ya leo, tuliona pale zamani kulikuwa mazungumzo mbalimbali yenye iliweza kufanyika ndani ya nchi. Kulikuwa mazungumzo ya sanctity ya kuweza kutafuta tu ubora wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kulikuwa mazungumzo fulani fulani yenye iliweza kuendesha ndani ya nchi. Sio tu sema kwamba ni mazungumzo ya leo tu ndio watu wanaona mazungumzo ya sana. Mazungumzo ni tangu zamani, hata tangu mababu wetu
kama kuna fitina katika jimbo, katika kijiji fulani, nisheti mababu wetu waweze kukaa pamoja wakizunguka mbele ya moto, ama wanaikaa chini ya mtu wa mkula, wanaweza kuzungumzia pamoja juu waweze kupata suluhisho kutokana na swali fulani, shida fulani yenye kuleta mzungano ndani ya nchi. Ndio hiyo yenye rais anaweza kuongoza kwa siku ya leo. Kila mmoja ataweza kuleta maoni yake juu waweze kutafuta tu usalama, ubora wa raia wa Kongo. Edichala, les discussions avec les organisations du suivi du processus électoral semblent se poursuivre. Les sept organisations représentatives de ces mouvements, des organisations qui sont spécialisées dans le processus électoral, en face du président de la République, ils ont donné leurs idées, leurs réflexions sur la réforme qui doit avoir lieu sur la Commission électorale nationale indépendante, que ce soit sur son administration, son leadership, mais aussi sur des lois qui encadrent cette action de la Commission électorale nationale indépendante. Les consultations sont sérieuses, ces consultations sont très approfondies. Et on ne laisse rien au hasard. Le président de la République a besoin d'avoir toutes les informations utiles et qui le guideront dans sa prise de décision qui est attendue par notre peuple incessamment. C'est une promesse qu'il a faite au moment où il faisait le discours, son dernier discours, le 23. Octobre dernier, c'était un vendredi, 10 jours se sont donc écoulés. Il a attendu, son agenda ne lui a pas permis de commencer les consultations la semaine qui suivait comme il avait promis, mais la semaine d'après, en tout cas celle-ci qui commence aujourd'hui, lundi, a commencé bien entendu avec ces consultations qui ont enregistré depuis leur début plusieurs organisations, pour la plupart les institutions d'appel à la démocratie, quelques personnalités qui ont été reçues à titre individuel, comme le cardinal Monsengo Pasignan, mais aussi pour le compte de la commission intégrité et médiation électorale, l'imam Moussa a également été reçu à ce titre comme président intérimaire de cette organisation qui a joué un rôle important au cours des processus électoraux de 2006-2018, mais aussi 2011. Voilà donc la nécessité aujourd'hui d'être consulté par le président de la République, se présenter sans hésiter à travers l'imam Moussa. L'organisation est arrivée et a donné au président de la République le produit de ses réflexions. Mais au sortir de cet échange, nous lui avons tendu notre micro et en liminaire, il nous a dit que son problème c'était que le président de la République, devant sa conscience et devant Dieu, ne prenne des décisions qui aille dans le sens du bien-être collectif, et ce sera pour le bien de tous, de la République démocratique du Congo, notre pays. Et là, ce sont les représentants des organisations dont nous avons parlé tout à l'heure, les organisations chargées du suivi du processus électoral qui font leur sortie de la salle. Vous avez les deux femmes de la délégation, mais aussi Jérôme Bonso, qui a encore des choses à dire derrière. Ils sont tous sortis pratiquement. Nous allons nous approcher Giscard Kossema, comme nous avons fait pour toutes les autres organisations, pour les écouter. Ils ont mis un peu plus de temps, avec raison d'ailleurs, parce qu'il s'agit de techniciens de l'administration électorale, ces ONG qui ont fait leur preuve ici et même ailleurs. Hein. Chaque fois qu'il y a des élections, on fait appel à eux. Hein, je me rappelle encore de cette invitation de l'Union africaine adressée à Jérôme Bonso comme l'un des observateurs. Donc il cherchait cette occasion, il l'a trouvée. Et voilà pourquoi le président de la République a un peu dérogé à la règle et leur a accordé un peu plus de temps. D'autant plus qu'il s'agit de sept organisations totales, la ETA, CIMOCEL, RENOSEC, REGED, RCC, CIPS, ROC, toutes ces structures
ont certainement planché sur la réforme de la CENI. Nous allons nous approcher d'eux pour les interroger, comme nous l'avons fait avec tous ceux qui se sont succédés ici. Ils vont nous expliquer quelle est leur contribution par rapport à cette problématique. Merci Giscard Koussema. Nous allons donc nous approcher pour attendre que cette organisation, bonjour Jérôme Bonsoir, qui venait d'être reçu par le président de la République dans les cadres de consultation qu'il a entamé depuis deux ce matin. Est-ce que nous pouvons savoir de quoi il a été question au cours de vos échanges? Nous travaillons en tant que plateforme des organisations de la société civile spécialisée en matière des élections et notre entretien, oui, nos entretiens avec le président de la République, chef de l'État, tourné sur l'alternative de la Commission électorale nationale indépendante. Et après avoir fait un constat de ce qu'a été Commission électorale de 2016-2018 qui était dominée par la classe politique, nous avons vu que ça n'a pas donné un résultat et la Commission électorale nationale indépendante était devenue un enjeu de gérer les élections. Et c'est pourquoi nous avons fait une proposition au président de la République qu'on puisse, un, dépolitiser la Commission électorale nationale indépendante, deux, faire une Commission électorale indépendante composée des experts des organisations de la société civile en matière électorale et parler aussi du problème du recensement, de l'identification de la population et qu'on puisse doter de moyens à l'ONUP pour faire le recensement raccourci. Pas le recensement raccourci, nous attendons le RAPTA, c'est-à-dire recensement administratif de la population techniquement amélioré. C'est ce recensement qui était même adopté au niveau de la conférence nationale et avec ce type de recensement, nous aurons peu de moyens financiers, nous aurons peu du temps pour qu'on puisse arriver aux élections dans le délai constitutionnel en 2023. Sans cela, on aura difficile à convaincre. Donc on devrait faire face aux différents défis financiers. Nous avons demandé au président de la République de construire un fonds spécial où on va mettre l'argent de trois exercices budgétaires pour que ce fonds-là puisse être gardé et quand on va faire les élections, on puisse les organiser à temps réel et mettre la nouvelle structure de la CENI et de nouveaux animateurs de la CENI en respectant la procédure crédible et des critères objectifs de désignation. Et nous avons demandé au président de la République qu'il n'y ait pas interférence des acteurs politiques, des responsables les institutions dans la désignation des animateurs de la CENI. Et si, par hasard, ceux-là vont s'aventurer, nous allons les dénoncer et nous allons considérer ça comme une corruption. Quand on fait une corruption, on doit traduire ce genre de classe politique qui va nous influencer dans la désignation de nos membres. Qu'on nous laisse tranquille, parce que quand la classe politique désigne les leurs, nous n'intervenons pas. Et quand nous désignons les nôtres, on nous laisse le temps. Et c'est pourquoi nous avons échangé autour de cela pour dire nous avons tout intérêt à faire vite, à aller vite, pour que les élections puisse avoir lieu dans le délai constitutionnel en 2023. Il y avait trois délégations de la société civile, donc vous devez nous écouter. Je crois qu'il faut noter que le président de la République lui-même a reconnu qu'il aurait été important qu'il nous reçoive avant ces institutions qui ont parlé des élections, parce qu'il a estimé que dans nos argumentaires, nous lui avons appris beaucoup de choses. Effectivement, la question de la mise sur pied de la CENI est une question urgente, dans la mesure où il faut noter, et nous l'avons dit au président, que le processus électoral est en berne, qu'il faut une planification électorale, il faut une budgétisation électorale, il faut une institution technique qui accompagne les réformes électorales. Et ça donc, nous l'avons exprimé au président, il a reconnu qu'il y avait nécessité par rapport à cela. Mais il faudrait aussi dire que par rapport à la question politique de la coalition, nous avons dit au président de la République qu'il était important, d'abord, un, qu'il ait en vue la stabilité du pays, qu'il ait en vue la sécurité du pays, qu'il ait en vue le fait que le pays doit évoluer dans la paix, qu'après avoir consulté, qu'il puisse en fait constituer un cahier de charges sur base duquel il verrait rationnellement, systématiquement, comment voir la manière de pouvoir requalifier la coalition de telle sorte que, en fait, tout le monde
puisse être prise en compte en tant qu'acteur pour la gestion du pays, étant donné que lui-même a dit qu'il a eu à tendre la main pour gérer le pays en tout amour et consolider la cohésion nationale. Merci. Merci. Vous avez suivi l'intervention des acteurs politiques, ceux, j'allais dire, les experts de la matière électorale qui sont constitués en plateforme. Ils ont expliqué ce sur quoi ils ont le président de la République, essentiellement sur ces questions électorales. Ils ont des propositions, ils veulent dépolitiser la Commission électorale nationale indépendante, et je crois que c'est une matière délicate. Bishop Diamba, vous avez participé à cette rencontre avec le président de la République, et vous pensez que votre proposition, à entendre un de vos collègues qui a parlé de la dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante, vous pensez que c'est faisable? Est-ce que les acteurs politiques vous entendront, vous écouteront? Mais il n'est pas possible que les acteurs politiques ne nous entendent pas, parce que les lois qui sont prises, ce sont des lois qui doivent, traduire les aspirations de la population. Et donc, si la population a exprimé des points de vue, c'est tout à fait clair que les politiques entendent. Nous avons eu l'occasion de remettre au président de la République le référentiel de la société civile qui porte toutes les recommandations en rapport avec les réformes électorales. Et donc, nous pensons que c'était une bonne occasion pour que notre voix puisse être portée au plus haut niveau des institutions. Et donc, nous avons eu à insister aussi sur le fait que les animateurs de la CENI ne peuvent être désignés qu'après les réformes électorales. Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir un animateur de la CENI qui pourrait être l'oiseau rare qu'on serait en train de chercher, mais si les lois ne lui permettent pas de pouvoir être indépendant des structures politiques, nous risquons de reconnaître, de ramener encore toutes les tares que les trois processus électoraux passés nous ont amenés. Donc nous insistons sur les réformes préalables à la mise en place des structures ou des animateurs de la CENI. Merci beaucoup. Vous avez suivi Bishop Diamba, qui est donc un des acteurs important de cette plateforme. Il vient donc... Non. Donc, vous venez de suivre les interventions des acteurs... Vous êtes membre de cette plateforme, vous venez de rencontrer le président de la République, qu'est-ce qu'on en retient? Ce que vous devez retenir, c'est que le président de la République, son excellence, monsieur le président de la République, c'est un don, une faveur pour cette République démocratique du Congo. Les changements que nous avions cherchés pendant plus de 37 ans, il a manifesté cela aujourd'hui. Et pour ce que nous sommes en train de parler des élections, nous avons une autre démarche. Pour nous, parce que l'ancienne équipe de la CENI est en chômage depuis il y a de cela une année, il est impérieux qu'on installe les nouveaux animateurs de la CENI.
parce que nous croyons que les réformes peuvent se faire avec la plaque tournante, avec le président de la CENI. Lui, il pourra apporter non seulement des réformes légales qui peuvent se faire au niveau de l'Assemblée nationale, mais le président de la CENI peut faire des réformes techniques et opérationnelles. Voilà pourquoi nous nous tenons compte des deux variables, le variable temps et le variable coût. Nous demandons à ce que le président de la République puisse installer directement. Parce que nous avons déjà déposé un PV. Et ce PV-là a été déjà entériné par la voie judiciaire. Alors, le président de la République n'a qu'à appliquer, donc nommer la personne à laquelle la société civile l'avait déjà désignée. Voilà notre approche électorale. Merci donc, amis téléspectateurs. Vous avez suivi les voix des représentants de la société civile spécialisée dans la question électorale. Vous retenez donc que parmi ces organisations, c'était une plateforme composée de plusieurs organisations, bien entendu. Je parle de tous, mais ne partagent pas le même point de vue sur l'opérationnalisation de leur démarche. Il y a ceux qui pensent qu'il faudrait à ce stade dépolitiser complètement la Commission électorale nationale indépendante et la confier à des personnalités spécialistes et expertes dans la matière électorale. Ça, c'est Jérôme Bonceau qui l'a dit. D'ici moi, lui a dit que sur la question politique précisément, parce qu'ils ont été consultés aussi pour ça, il est important pour le président de la République de tenir compte de la stabilité de la République, la fragilité de notre République et mettre en sur la balance les urgences politiques mais aussi les réalités républicaines que nous devons sauvegarder à tout point de vue. Et un autre intervenant, c'est Michel Jamba cette fois-là, lui a parlé en termes d'expertise, en termes de du procès électoral qu'ils ont, dont le rapport a été remis au président de la République pour que celui-ci s'en serve dans ses prises de décision et où il pense plutôt qu'il faudrait mettre d'abord les réformes en place, ensuite désigner les animateurs de la Commission électorale nationale indépendante. C'est cela est dû au fait que dans leur imagination, dans leur réflexion, ils estiment qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un dirigeant de la Commission électorale nationale indépendante dont la structure et le modus operandi vont être réformés par la réforme qui est en cours. Et cela pose le problème du profil de la personne qui doit diriger cette Commission électorale indépendante, raison pour laquelle la plateforme ou l'organisation de Bishop Jamba pense qu'il faudrait d'abord commencer par les réformes électorales. Alors, le docteur Bongamba, lui, pense plutôt qu'il faut nommer un animateur de la Commission électorale nationale indépendante et c'est lui qui va donc piloter cette réforme, qu'elle soit juridique ou technique, au sein de la CENI et mettant en prenant en compte deux variables, le temps et les ressources, en tout cas si j'ai bien retenu son expression. Voilà donc les éléments qui vont permettre au président de la République de prendre des décisions éclairées parce que les experts du système électoral ou les experts dans le suivi du processus électoral ont donné des avis techniques très utiles au chef de l'État. Il en avait certainement besoin, c'est pourquoi lui-même a choisi de rencontrer ces organisations. Il y en avait 7 dans cette plateforme et ils ont étalé toute cette expertise devant le président de la République. C'est le sens même de cette durée qui a été largement au-dessus de la norme. En ce moment précis, les consultations se poursuivent et le président de la République est en train de recevoir d'autres personnes. Nous allons le savoir incessamment. Il s'agit d'une personnalité, Mgr Bokundo Mbolikabé, président de l'Église du Christ au Congo. Il échange avec le président en tête-à-tête, comme d'ailleurs le cardinal Mosengo, cardinal émérite Mosengo l'a fait. Et il y a quelques heures, le président de l'ECCMI aussi, qui déjà s'était prononcé sur ces genres de consultations, le pays en avait besoin
C'était une de ses idées, et c'était une de ses idées, et je crois que lui, il est parmi les gens qui sont très honorés, très satisfaits de la tenue de ces consultations que le président de la République a commencé aujourd'hui. Il va donc parler avec le chef, lui présenter son mémo, mais en quelques lignes aussi. Il nous le dira quand il sera sorti de ces échanges, j'espère prochainement. Merci beaucoup, Eddy Tchala. L'Église du Christ au Congo, par la voix de son président, Mgr Bokundoa, avait déjà donné son opinion sur l'organisation de consultation nationale initiée par le président de la République. C'est parmi les toutes premières structures non étatiques qui avaient soutenu cette initiative. Et aujourd'hui, l'ECC est représenté par le premier vice-président qui est en ce moment en train d'être reçu par le président de la République, chef de l'État. Après, s'ouvre donc cette série de personnalités représentant les églises traditionnelles et groupes confessionnels de la République démocratique du Congo. Nous l'avons déjà dit en ce qui concerne le chef spirituel de l'église kimbanguiste, que contrairement à ce qui avait été prévu, et son éminence Simon Kimbangu Kiangani ne sera pas reçu aujourd'hui, simplement parce qu'il n'a pas encore fait le déplacement de Kinshasa, mais toutes les dispositions ont été prises pour faciliter son arrivée ici à Kinshasa dans les heures qui suivent. Donc ce sera demain certainement qu'il sera reçu, mais aujourd'hui, la Comico, l'Armée du Salut, l'Église orthodoxe, les Églises de Réveil, les Églises indépendantes du Congo, la Pastorale nationale congolaise, le Haut Conseil de l'Église de Réveil, l'Église du Troisième Testament et l'Église Bangouza sont représentés au sommet par leurs représentants légaux qui vont être reçus à tour de rôle par le président de la République. Ainsi se terminera cette série de consultations de personnalités et structures de la société civile. C'est à 11h30 exactement que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu le premier groupe dans le cadre de ces consultations. Il s'est agi de la CENI avec en tête son président Corneille Nanga, le CENSA, le CNDH, le CISA et les autres structures sont également passés et ont eu des échanges très fructueux avec le président de la République qui s'est fait déjà une idée, Tchala. Le président de la République, au vu de cette première journée, s'est fait certainement déjà une idée de ce que pensent les autres acteurs de la société civile, des acteurs non moins importants, des acteurs de premier plan. Ainsi, on va se boucler dans les heures qui vont suivre cette première journée. Et ces consultations ouvertes aujourd'hui vont se poursuivre toute cette semaine, comme nous l'avions indiqué, et demain sera le tour d'autres organisations de la société civile. Ce sont des mouvements citoyens comme Fidengi, comme la Lucha, des associations corporatives vont également être reçues par le président de la République. Le protocole d'État continue à travailler encore pour aligner cette fois les personnalités politiques. Là également, il y aura des personnalités indépendantes, des personnalités représentant des institutions. Donc ce sont des institutions qui seront également reçues. Mais tout cela, nous le saurons dans les jours qui suivent parce que le protocole d'État, il travaille encore. Mais ce qui est sûr, c'est que ces consultations présidentielles sont voulues les plus inclusives possibles. En clair, elles sont ouvertes à toutes les structures qui sont dans les institutions et celles qui sont en dehors des institutions. Toutes les personnalités politiques représentatives qui sont dans la coalition au pouvoir ou en dehors de la coalition. Donc ce sont des consultations qui sont ouvertes à toutes les tendances politiques et nous nous ferons en tout cas le devoir de vous faire vivre ces consultations nationales. Donc pour aujourd'hui, nous allons encore une fois solliciter l'indulgence de nos téléspectateurs et de toute l'opinion pour
de quelques couacs qui sont liés au travail technique en direct. Dans les jours qui suivent, nous allons nous améliorer pour vous faire vivre dans les meilleures conditions ces consultations qui ont lieu ici au Palais de la Nation, siège de la présidence de la République. Giscard Koussema, tout travail humain est perfectible. La perfection n'est pas d'ici, sur cette terre des hommes. Chaque jour qui passera, nous ferons autant que faire se pourra pour nous améliorer. C'est même notre devoir, chaque jour qui passe, nous y appelons. Et cela n'enlève en rien notre côté perfectible lié au fait que nous sommes humains. Le président de la République poursuit donc ses consultations, cette fois avec les représentants de l'Église du Christ au Congo. Nous faisons savoir le vice-président, le premier vice-président est venu pour représenter l'Église du Christ au Congo, présenter le mémo et être consulté par le chef de l'État. Voilà, donc à présent, la décision est prise. Nous pensons que le chef de l'État va aller jusqu'au bout de sa logique pour aujourd'hui, ainsi recevoir toutes ces organisations, ces personnalités. Il va les consulter, les écouter. Après une si longue journée d'écoute et d'échange avec différentes couches représentées par ces groupes et mouvements qu'il a reçus, le président de la République s'est fait justement une idée déjà de ce que sera l'issue de ces consultations, j'imagine. Mais en tout cas, il se fera très très bien l'idée quand il recevra les politiques. Mais comme je vous ai dit, au cours de ces moments que nous passons ensemble, le président de la République a bien fait de rencontrer des personnes qui n'ont pas un intérêt direct sur l'activité politique. Ils ne se battent pas pour la conquête du pouvoir ou pour la conservation de celui-ci. C'est des gens qui suivent de près les processus électoraux. C'est des gens qui conduisent les âmes de ceux qui font la politique et ceux qui ne font pas la politique. Et c'est des gens qui ont la responsabilité de gérer les institutions d'appui à la démocratie. Alors, ils ont chacun le moment de sa consultation donné de point de vue au président de la République. Le président va s'en servir certainement. Et au moment où il recevra les personnalités politiques et le regroupement politique, parce que ça va être certainement le cas dans quelques jours, le temps que le protocole d'État mette de l'ordre dans sa liste et nous présente le projet de l'agenda, nous allons vous dire que le président de la République recevra certainement tout le monde. Giscard Koussema vous a dit que les consultations, celles que vous êtes en train de suivre, convoquées par le président de la République, sont les plus inclusives qui soient. La porte n'est fermée à personne. Les invitations seront envoyées aux groupes les plus représentatifs, mais aussi celles qui se verront oubliées par inadvertance, de quelque manière que ce soit, se feront savoir et le président de la République les recevra, en tout cas dans le temps qu'il a imparti aux consultations. Il se fera le devoir de recevoir toutes les couches représentées à un certain niveau par ceux qui ont une certaine influence justement dans la communauté congolaise. Cela lui permettra d'être sûr qu'il a reçu un maximum d'avis pour qu'il se décide enfin sur la marche que devra prendre la République démocratique du Congo. Mais quand vous scrutez les interventions des uns et des autres, nous pensons que la tendance est vers une décision qui découlera de ces consultations, mais qui mettent en avant-plan, qui mettent en premier lieu la stabilité des institutions de la République, mais aussi la consolidation de la paix chama acquise, et le chef de l'État qui est arrivé au pouvoir par des moyens pacifiques. Je ne verrais pas comment il s'engagerait dans une voie qui pourrait compromettre la stabilité ou la sécurité et du pays. Il faudrait bien alors que cela soit tenu pour dit, et nous sommes rassurés sur ce que le président de la République pourra à l'issue
de ces consultations, dire au peuple qu'il attend fermement parce qu'il avait promis de revenir une fois les consultations terminées. Une chose est sûre, ce qui sera fait le sera pour le reste, dans le respect de la Constitution. Ce qui sera fait le sera aussi dans l'intérêt de la stabilité des institutions de la République démocratique du Congo. Ce qui sera fait le sera aussi pour la consolidation de la sécurité et de la paix chèrement acquises. Ce sont ces éléments qui sont le socle, ou disons mieux, ce sont ces éléments qui vont sous-tendre toute la décision qui sera prise par le président de la République. Même si cela n'exclut aucun cas de figure, le chef de l'État en décidera en toute responsabilité, en toute conscience devant Dieu, comme le lui a demandé le représentant de la commission d'intégrité de médiation électorale, l'imam Moussa. Le chef de l'État en tiendra certainement compte, mais il va prendre une décision qui facilite le développement de la RDC, qui facilite l'adhésion de plusieurs personnes à la cause nationale, et tout le monde apportera sa pierre à l'édifice du développement que nous devons construire pour les générations futures, sans jamais, j'allais dire, pour nous-mêmes, nos contemporains, sans jamais compromettre les générations futures. Cela est bien compris et comme cela, et les efforts des uns et des autres devront donc s'aligner sur cette lancée. Quand nous aurons la liste des personnalités politiques et organisations politiques qui sont alignées sur ces consultations, on vous le dira. Pour l'instant, sachez que demain, le président de la République va encore rester avec la société civile, cette fois-là, avec les mouvements associatifs de lutte pour les changements, on les appelle les mouvements citoyens. Il y a Lucha, il y a Femendi, il y en a plusieurs. Ils seront reçus par le président de la République. Il y aura aussi l'UNPC. Il semble que beaucoup d'autres organisations corporatives, ordres, seront reçus par le chef de l'État pour qu'aucune structure, aucun, j'allais dire, aucune frange de la population congolaise ne dise que les consultations sont passées à côté de leur organisation. Le président de la République s'est engagé à écouter ainsi toutes ces franges de la population pour permettre une décision qui tienne compte de toutes ces considérations de genre et des spécificités professionnelles, pourquoi pas, des spécificités régionales. La République démocratique du Congo dispose d'un espace très vaste et ces espaces ne connaissent pas le même problème. Il faudrait bien que tous ceux qui viennent aux consultations proposent des solutions pour trouver par exemple une paix durable dans l'est de la République. Il faudrait bien que des gens agissent, il faudrait bien que des gens ouvrent leur cœur et parlent à la République avec l'idée de conjurer cet esprit maléfique qui rôde dans l'est de la République démocratique du Congo, causant mort et désolation chaque jour. C'est devenu le pain quotidien de cette population-là, alors qu'elle vit au 21e siècle dans une république dite démocratique du Congo. Il faudrait bien que tous ces mouvements militaires, ce mouvement insurrectionnel, ces groupes armés qui écument toute cette partie de la République démocratique du Congo soient éradiqués. Et ce ne sera possible qu'avec la contribution des cœurs sincères de cette partie de la République et d'un engagement collectif pour conjurer ces esprits maléfiques. Et si le président de la République s'y est engagé, cette impulsion va galvaniser les troupes, cette impulsion va galvaniser toute la population pour que, qu'il ne soit pas laissé une seule place où ces ennemis de la République puissent trouver leur base arrière. Chacun se mettra ainsi à travailler avec les institutions de la République pour éradiquer ce mouvement
qui nous tourmente et qui inquiète le peuple de la République démocratique du Congo. J'ai parlé de l'Est de la République démocratique du Congo, mais il faut aussi compter avec les populations qui vivent dans une misère la plus noire dans cette République, des personnes qui ne voient le véhicule que tous les trois ans. Il faudrait bien leur trouver des routes, leur offrir le bien-être, leur amener là où ils sont de l'eau potable, leur amener de l'électricité pour qu'ils vivent la modernité aujourd'hui et en plein 21e siècle, qu'ils puissent être connectés au monde. Tout cela, c'est des problèmes qui doivent être résolus et ce ne sont pas les mêmes problèmes dans le monde des affaires. Il y a l'amélioration du climat des affaires qui doit aller avec tout ça. Il faudrait y travailler. On ne peut pas y travailler sans que le climat politique ne soit apaisé, ne soit tranquille. Tous ces éléments sont pris en compte. Les investisseurs dont on a besoin pour apporter les capitaux faits et créer de nouveaux emplois, c'est des personnes qui n'aiment pas entendre les bruits de bottes. Ils veulent la sécurité, ils veulent la tranquillité. Et le président de la République qui a fait le tour du monde pour parler de la RDC. La République a maintenant une voix audible. Les investisseurs frappent à la porte de la RDC. Il faudrait leur garantir un environnement sécurisé, un environnement tranquille. Et dans cette envie-là, le chef de l'État qui consulte a tous ces ingrédients-là autour de lui, dans son ménage qu'il tourne, il va certainement sortir une décision équilibrée, une décision en faveur de la République démocratique du Congo, Giscard Koussema. Dichala, merci beaucoup. Nous voulons revenir ici sur l'acte fondateur qui a motivé ces entrevues, cette série d'échanges directs du chef de l'État avec la nation entière. On rappelle que le 23 octobre dernier, à 20h sur les antennes de la Radio-Télévision nationale congolaise, le président de la République, chef de l'État, s'adressait à la nation entière à travers un message de 6 minutes. Le président de la République, ayant pris la mesure de la situation, s'est adressé non pas aux politiques ou à un certain camp politique, mais il s'est adressé à l'ensemble de la population qu'il représente. Et ceci étant, il a annoncé l'organisation de ces consultations qui ont commencé aujourd'hui. Et le président de la République s'était fondé sur deux principes majeurs qu'il avait d'ailleurs repris dans son discours du 23 octobre dernier. Le tout premier dit Tchala, c'était « Le salut du peuple passe et la loi suprême ». Et donc, aucun accord politique, aucun engagement politique, aucune entente entre deux groupes politiques ne sont supérieurs à l'intérêt de la nation. Donc c'est au nom de l'intérêt supérieur de la nation que le président de la République a décidé, conformément à la Constitution qu'il défend d'ailleurs en tout premier lieu, conformément à ses prérogatives constitutionnelles en tant que garant de la nation, le président de la République, symbole de l'unité nationale, a pris cette courageuse décision de pouvoir prendre langue avec les acteurs. Alors, lorsqu'on considère qu'il est 20h depuis la demi-journée, c'est juste qu'il y a engouement de personnalités qui sont le plus emblématiques de notre pays. Aujourd'hui, ce sont tous les chefs de confession religieuse qui sont passés, les structures de la société civile avant d'aller vers les politiques. Bref, c'est cette initiative du président de la République qu'il convient de mettre en évidence pour qu'on aboutisse à des résultats qui sont au profit de toute la population et qui préservent non seulement la constitution de notre pays, mais surtout l'intérêt supérieur de la nation. Nous sommes toujours ici au palais de la nation, c'est la présidence de la République où le chef de l'État vient de terminer à l'instant avec la délégation de l'Église du Christ au Congo. Ce sera au tour
je crois, de la communauté musulmane à être reçu, mais pour l'instant, il vient de terminer avec l'Église du Christ au Congo. C'est la deuxième confession religieuse la plus représentative après l'Église catholique. Aujourd'hui, ils sont estimés entre 25 et 30% de la population locale, donc ils sont autour de... on compte pas moins de 20 millions de fidèles de l'Église du Christ au Congo, l'Église catholique venant en premier lieu avec plus ou moins une cinquantaine. Bref, aujourd'hui, c'est cette adhésion populaire, c'est cette adhésion nationale qui est à mettre en exergue. Nous allons nous approcher des musulmans comme nous l'avions annoncé. Ça, c'est la troisième confession religieuse en termes démographiques, hein, les musulmans. Après les catholiques, après les protestants, hein, c'est au tour des musulmans représentés par Cheikh Abdallah Mangala qui a amené la délégation. L'armée du salut qui descend les marches. Nous allons nous approcher d'eux pour prendre leurs impressions. Pour qu'ils nous disent de quoi a-t-il été question dans cette interview avec le président de la République du Tchad. Merci, Iskar Koussema. Nous allons attendre que descendent les représentants de l'Église du Christ au Congo pour leur poser la question sur les échanges qu'ils ont eus avec le président de la République, comme nous l'avons fait d'ailleurs pour toutes les autres organisations, tous les autres groupes qui ont été consultés par le président de la République. Nous allons en direct de la télévision nationale congolaise recevoir les premières impressions ou alors en somme l'essentiel du contenu des échanges que ces personnalités représentant l'Église du Christ au Congo ont eu avec le chef de l'État, le président de la République, qui a commencé ses consultations depuis quelques heures à présent. Voilà donc, alors que Monseigneur, vous représentez l'Église du Christ au Congo, vous venez aux consultations du président de la République, vous avez eu des échanges tout à l'heure. Et notre première question est celle de savoir qu'est-ce que vous vous êtes dit avec le chef de l'État. Bon, je pense que nous avons tous suivi le discours du chef de l'État qui a convoqué les consultations. En tant que l'Église du Christ au Congo, nous sommes venus déposer notre mémo qui contient des propositions que l'Église du Christ au Congo soumet au président de la République. Donc, c'est difficile de vous dire les contenus, mais nous sommes venus apporter notre contribution aux consultations convoquées par le président de la République. Et que pense l'ECC justement par rapport à cette initiative? On sait que Monseigneur le Président s'était déjà exprimé là-dessus, et vous, en tant que numéro 2? Oui, l'ECC est tellement contente parce que ça cadre dans notre vision, c'est-à-dire quand les choses ne marchent pas, il faut se mettre autour d'une table et parler. Nous sommes des Africains, n'est-ce pas, que pour nous, quand le président de la République a convoqué les consultations pour l'Église du Christ au Congo, c'était vraiment une occasion. C'est comme ça que nous sommes venus déposer nos propositions à son Excellence. Et pour savoir qu'est-ce que vous avez... Non, c'est un contenu que nous avons adressé au président de la République. Maintenant, c'est à lui. Nous avons déjà donné nos propositions et nous ne pouvons pas les révéler maintenant. Quelle a été la réaction du président de la République après cette interview? Très, très favorable. Très, très favorable, parce que je vois encore des propositions que nous avons données où il a posé certaines questions, éclaircissements, pour que nous puissions exprimer librement ce que nous pensons en tant qu'Église. Vous
suivre là l'intervention de l'église du Christ au Congo qui venait d'être reçue par le président de la République. Ils ont dit clairement que le contenu du mémo était adressé au président de la République et il n'était pas question pour eux en ce moment de le révéler au grand public. Mais nous savons que dans ces consultations, le chef de l'État a énuméré certains points de divergence qui plombent la marche de la coalition et pour ce faire, pour décider pour le bien de la République, le chef de l'État a décidé de consulter les forces les plus représentatives de la nation. Cela a été fait avec l'église du Christ au Congo, c'est le cas, et vous avez suivi la réaction des personnes qui ont représenté cette église et du Christ au Congo. En ce moment précis, le chef de l'État poursuit ses consultations, cette fois avec la communauté islamique du Congo, menée par l'imam Abdallah Mangala. Il va donc, en tant que personnalité, au nom de son organisation, de cette communauté, parler au président de la République en réponse aux questions qui lui seront posées dans ce cadre de consultation que le président de la République a entamé depuis cette journée du lundi 2 novembre. Ces consultations sont donc consécutives au discours que le chef de l'État a prononcé le vendredi 23 octobre 2020 à Kinshasa. C'était 20h. Tout le monde l'a suivi. En 6 minutes, il a rappelé les difficultés auxquelles s'est confrontée l'équipe gouvernementale ou l'action gouvernementale. Il fallait donc des décisions importantes. C'est ce que le président de la République va faire. Mais avant tout, il a pensé utile d'écouter le Congolais d'en bas, discuter avec eux, échanger avec eux, pour que dans sa décision, il rencontre justement l'assentiment de tout le monde. Ce discours prononcé par le président de la République, nous allons encore un moment le réécouter. C'est 6 minutes. En ce moment, ici, la comico est en train d'être reçue par le président de la République, comme je vous disais. Donc pendant ce temps-là, ils sont quand le président sera à l'écoute de la comico, comme c'est le cas maintenant, nous allons vous remettre dans l'ambiance de ce vendredi-là avec ce discours prononcé par le président de la République. Un discours court de 6 minutes, mais très éloquent. Congolaises, Congolais, mes chers compatriotes, en ce jour du 23 octobre 2020, je m'adresse à vous, souverains primaires, dans un contexte exceptionnel en rapport avec la situation politique que connaît notre pays. Ce contexte de fragilité de notre pays, de même que les résultats électoraux de janvier 2019, nous ont forcés à élargir nos rassemblements pour nous unir au-delà de nos familles politiques traditionnelles. Cet effort de recomposition a touché aussi bien le pouvoir sortant que l'ancienne opposition, ce qui a conduit à une situation inédite où des adversaires farouches d'hier sont devenus des alliés. Nous avions choisi de gérer le pays au sein d'une coalition qui semblait constituer la solution idoine pour sortir le pays de ses différentes crises récurrentes et préserver ainsi les acquis de l'alternance. Malheureusement, près de 2 ans après, les divergences qui persistent entre les parties signataires de cet accord plombent les ailes de l'espoir de notre envol vers le développement. Ces divergences portent notamment sur les questions relatives à la paix et à la sécurité nationale, à la Commission électorale nationale indépendante, à l'organisation des élections, à la gestion du portefeuille de l'État, à la territoriale
à la diplomatie, à l'indépendance de la justice et à l'instauration de l'état de droit qui sont un enjeu majeur pour notre nation. L'importance de ces questions me convainc qu'elles ne doivent être laissées à la merci d'un seul groupe politique. Elles nécessitent un large consensus national. Mes chers compatriotes, la tâche que vous m'avez confiée est immense. Elle comporte dans l'urgence les objectifs ci-après. Rétablir la paix là où elle est compromise et la consolider là où elle existe. Construire la démocratie, organiser des élections crédibles dans les délais constitutionnels, renforcer l'état de droit, bâtir nos infrastructures, assurer la santé à nos populations, garantir l'éducation de nos enfants, donner une perspective économique à notre jeunesse et promouvoir davantage les droits des femmes. Face à l'ampleur de ces défis, le peuple n'accordera aucun pardon à ceux qui, dans la classe politique, s'évertueront à créer ou à entretenir des entraves au progrès, animés qu'ils sont par une simple stratégie de survie politique ou de positionnement individuel, par la haine tribale, la rancœur ou par la poursuite de la prédation en toute impunité. À ce propos, je salue l'effort d'abnégation de ceux qui, dans tous les camps, se sont démarqués de ces antivaleurs. Mes chers compatriotes, l'état de droit que nous voulons vient d'être conforté par la prestation de serment de 3 juges constitutionnels, ce qui désormais assure à cette juridiction un fonctionnement régulier. Mes chers compatriotes, la restauration de l'état de droit dans notre pays n'est pas un leurre, mais le fruit d'une volonté politique, du reste coulée dans un programme de gouvernement tel qu'adopté par le Parlement. Il demeure vrai que sa mise en œuvre énerve certains nostalgiques, habitués à l'impunité et au traitement de faveur. Ceci étant, le partage des valeurs liées à l'état de droit et à la justice constitue la condition sine qua non de tout partenariat aux actions de mon mandat. Mes chers compatriotes, chaque année, plus de 2 millions d'enfants congolais naissent et s'ajoutent au nombre déjà important de notre population. Nous sommes individuellement et collectivement responsables de leur destin. Nous ne pouvons laisser leur avenir à la merci de pesanteurs ou écueils inhérents aux pratiques politiciennes qui retardent ou affaiblissent la réalisation du programme pour lequel vous m'avez élu. En tant que chef de l'État, représentant de la nation et symbole de l'unité nationale, j'assure par mon arbitrage, en vertu de l'article 69 de la Constitution, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions, ainsi que la continuité de l'État. Je réitère l'engagement de mon serment de ne jamais faillir à cette mission sacrée et de ne jamais trahir le Congo. Je ne laisserai aucun engagement politique de quelque nature que ce soit primer sur mes prérogatives constitutionnelles et sur l'intérêt supérieur du peuple congolais. Je ne transigerai avec les intérêts supérieurs de la nation. Je ne céderai jamais la moindre portion de notre souveraineté nationale. Je ne ménagerai aucun effort pour préserver la paix et l'unité nationale. Eu égard à ceux qui précèdent et considérant que le salut du peuple est la loi suprême, j'ai décidé d'entamer dès la semaine prochaine une série de contacts visant à consulter les leaders politiques et sociaux les plus représentatifs afin de recueillir leurs opinions à l'effet de créer une union sacrée de la nation autour des objectifs précités.
Ces consultations visent la refondation de l'action gouvernementale autour des principes de participation à la gestion du pays. À l'issue de celle-ci, je reviendrai vers vous dans une nouvelle adresse pour vous faire part de mes décisions qui n'excluront aucun cas de figure. Debout, Congolais, prenons le plus bel élan pour un Congo fort, libre et prospère. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Donc, le président de la République est revenu. En tout cas, nous vous avons permis de réécouter encore ce message du chef de l'État, dans la suite duquel il y a ces consultations que nous vous faisons vivre depuis le début, c'est-à-dire autour de 11h30. Les premières personnes ont été consultées. Il s'agissait de la Commission électorale nationale indépendante. Nous avons vu là que la commission électorale, qu'est-ce que j'allais dire, la COMECO, communauté islamique du Congo, est en train d'être consultée par le président de la République, mais c'est une délégation très très importante, avons-nous constaté, on m'apprend, heureusement, que cette communauté menée par des dissensions internes. L'appel du chef de l'État à ces consultations semble les avoir unis et témoigne donc du caractère fédérateur du président de la République. Le président de la République vient de réussir là un sacré coup que de mettre ensemble toutes les tendances au sein de la communauté islamique du Congo. Depuis quelques semaines, plusieurs tendances d'ailleurs se sont formées, des tendances, des escalades qui sont allées jusqu'à des troubles. On l'a senti dans la province de l'Équateur, hein, il y a eu même des troubles à l'ordre public. Et le président de la République a réussi à mettre ensemble toutes ces tendances. Et c'est ce qui explique la présence assez nombreuse des délégués du comité islamique du Congo, alors que le protocole d'État avait prévu 5 personnes, mais ils sont arrivés un peu une dizaine au total, hein, toutes tendances réunies. Ils ont mis en veilleuse leurs divergences pour l'intérêt supérieur de la nation. Ils sont venus. Ils ont aussi quelque chose à apporter à l'édification de l'état des droits et ils ont été reçus. C'est donc tout est à l'honneur du président de la République qui vient de réussir cet exploit que de mettre ensemble ces dignes fils de la communauté islamique du Congo. Donc, Giscard Koussema, prenait besoin de rappeler à des individus qui se plaisaient à surfer sur ces dissensions internes au sein de la COMECO pour entretenir des climats délétères à travers certaines provinces de la République, notamment dans l'Équateur, comme vous l'avez dit aujourd'hui, avec le président de la République qui le reçoit, qui réussit à recevoir toutes les tendances de la communauté islamique du Congo. Elle devient effectivement une communauté par cette rencontre avec le chef de l'État qui ne manquera pas de leur prodiguer des conseils pour sortir de cette rencontre avec le chef de l'État. Après être consultés par le chef de l'État et que eux-mêmes aussi, en rentrant, se mettent ensemble pour éviter ces querelles intestines qui ne font pas avancer la communauté, au contraire, qui les retardent dans le développement, dans l'avancement de la mission qui est la leur, celle d'entretenir les âmes qui se confient à eux. Donc voilà. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont les caractères fédérateurs se manifestent en cette situation précise, la communauté islamique du Congo est réunie pour rencontrer le chef de l'État à l'occasion de ces consultations. Fini donc ces moments-là où des discussions interminables, des distinctions internes menées cette communauté avec cette rencontre.
rencontre avec le chef de l'État. Dans le cadre de ces consultations, ils vont donc ressouder leur rang et convenir sur les prochaines étapes à suivre afin que cette communauté revive ces belles époques où il était uni et toujours en train de travailler pour la consolidation de la paix et surtout pour le salut des âmes qui se confient à eux à travers l'islam. Nous avons, pendant que nous étions en train d'intervenir tout à l'heure, Jeannot Koundi qui se trouve à Paris en compagnie d'autres Congolais de la diaspora qui brûlent d'envie de venir à Kinshasa et de rencontrer le président de la République dans le cadre de ces consultations. Vous savez que la diaspora congolaise est l'une des plus importantes dans l'espace Schengen et c'est aussi une des plus bruyantes qui s'est fait entendre par plusieurs actions à l'encontre des pouvoirs de Kinshasa d'une manière ou d'une autre. Le chef de l'État y est allé à plusieurs reprises depuis qu'il est président de la République. Il a échangé avec cette communauté qui semble avoir écouté son message. À présent, ils sont eux aussi très intéressés par ce qui se passe à Kinshasa et veulent venir pour être consultés par le chef de l'État. En tout cas, c'est ce que nous dit notre collègue Jeannot Koundi qui se trouve en ce moment à Paris et nous informe aussi que cette délégation sera ici d'ici la fin de la semaine pour justement participer aussi à ces consultations amorcées par le président de la République. Ça intéresse toute la République, ça intéresse tous les Congolais de partout. Ils veulent faire entendre leur voix pour participer à l'édification de cette nation que nous voulons forte au cœur de l'Afrique et la locomotive ainsi du développement de ce continent. Tout le monde le sait, seuls peut-être les mauvaises foi, mais en tout cas, la République démocratique du Congo a vocation à être cette locomotive au cœur de l'Afrique. Comme le disait Frantz Fanon, la RDC, l'Afrique a la forme du revolver et la gâchette est en République démocratique du Congo. Il faudrait donc que nous prenions la mesure de cette phrase célèbre prononcée par un Congolais, mais en tout cas par Frantz Fanon, je crois qu'il est bien un Antillais. Donc voilà, il parlait de la République démocratique du Congo en ces termes et cela doit mobiliser et motiver davantage le peuple de la RDC pour qu'il travaille et mette justement cette République au sommet de l'action ou bien la replace justement devant le train qui est donc l'Afrique. Nous sommes à la traîne, c'est malheureux, mais nous pouvons bien travailler avec le potentiel dont dispose la RDC pour rattraper notre retard. Il faudrait tout simplement que les fils équipes de ce pays se mobilisent, regardent dans la même direction et considèrent que les divergences sur les méthodes de gestion ne doivent pas être des éléments qui freinent les actions positives menées pour le développement de la République démocratique du Congo. Au moment où nous arriverons à ce stade, ce sera le décollage de cette République, l'envol que nous attendons tous. Et je pense que c'est cette idée qui milite en faveur de ces concertations que le président de la République a commencé aujourd'hui. Dans le passé, le pays a connu aussi ces consultations, mais chaque fois que les consultations ont eu lieu, la République a pris une direction différente de celle dans laquelle elle s'était engagée auparavant. Vous vous souvenez de celle de 1989-1990 entamée par le maréchal Mobutu qui avait fait le tour des régions du Zaïre. Il avait rencontré la société civile, il avait rencontré les membres du mouvement populaire de la Révolution, il avait échangé avec le milieu universitaire, il avait échangé avec plusieurs corporations. À la fin, il a prononcé les discours historiques du 24 avril 1990 où il a décrété le multipartisme politique, rappelant que l'heure était venue de tenter de nouveau l'expérience du multipartisme politique avec la possibilité pour chaque citoyen de se choisir un parti politique. Et c'est aussi ce jour-là que le grand maréchal
sangloter en parlant du mouvement populaire de la révolution qui était arrivé au moment où il devait se choisir un nouveau chef. Voilà donc les consultations de cette époque-là et celles que le président Joseph Kabila en son temps a organisées. On conduit aux concertations nationales. Il s'en est suivi un gouvernement d'union nationale qui a fait que certains qui étaient dans l'opposition se sont retrouvés dans les rangs du pouvoir. C'est donc ce genre de consultations conduisent toujours à des grands chambardements sur l'espace politique, sur l'échiquier politique de la République démocratique du Congo. Souvenez-vous aussi que Musée Laurent-Désiré Kabila, arrivé le 17 mai 1997, avait projeté de faire lui aussi des consultations. Il les avait même entamées, mais en tout cas, les ennemis de la République ont justement causé sa mort précipitée et il n'était pas arrivé au bout de sa logique. Il avait même lancé le débat national, cet échange que je considère comme d'autres consultations qui malheureusement n'ont pas eu lieu à cause de cet événement malheureux survenu le 18 janvier 2001. C'était ici à Kinshasa. Le président de la République aujourd'hui, Félix-Antoine Tshisekedi, entame ces négociations lui aussi, mais avant ces négociations, le chef avait prononcé un discours de 6 minutes. Je vous ai dit que ce discours a nécessité l'exégèse pour être bien compris. Et je crois que ceux qui l'ont compris justifient bien la tenue de ces consultations Giscard Koussema. Nous voulons relativiser vos propos, cher Eddy. Vous avez parlé tout à l'heure de négociations. Non, nous pensons qu'il s'agit bien de consultations. C'est un détail assez important. Rien ne se négocie ici. L'intérêt supérieur de la nation ne se négocie pas. Et l'intérêt du peuple congolais n'est pas non plus ne peut pas faire l'objet d'un quelconque hypothèque politique. Il s'agit bel et bien de consultation. Le président de la République se met à l'écoute des forces vives. C'est à l'écoute, alors que lui-même dispose des prérogatives constitutionnelles pour pouvoir prendre des décisions au nom de salut du peuple. Mais il a certainement quelques idées, mais il veut aussi se mettre à l'écoute des autres, parce que le plus souvent tous ces acteurs s'expriment de plusieurs manières à travers leur parti politique, à travers les médias, à travers les regroupements. Et maintenant l'occasion est donnée à toutes ces personnes. Je crois que c'est là l'originalité de cette démarche, c'est que le président de la République est là, il est disponible à écouter tout le monde qui voudrait s'exprimer au sujet de la marche du pays. Vous avez parlé de ces discours historiques, c'était effectivement le soir du 23 octobre lorsque le président de la République s'est adressé à travers un message de 6 minutes retransmis à la Radio-Télévision Nationale Congolaise, la RTNC. Sur un ton ferme, le chef de l'État a annoncé qu'il entamait dès la semaine prochaine une série de contacts visant à consulter les leaders d'opinion et sociaux les plus représentatifs afin de recueillir leurs opinions à l'effet de créer une union sacrée de la nation congolaise. Ces consultations, avait-il poursuivi, visent la refondation de l'action gouvernementale autour des principes de participation à la gestion du pays. À l'issue de celle-ci, je reviendrai vers vous dans une nouvelle adresse pour vous faire part de mes décisions qui n'excluront aucun cas de figure, avait conclu le président de la République. Et le chef de l'État avait dit avoir pris cette décision après avoir constaté des divergences persistantes entre les signataires de l'accord de coalition FCC-CACH. Ces divergences portent notamment sur des questions relatives à la paix et à la sécurité nationale, des questions liées à la Commission électorale nationale indépendante, des divergences liées à l'organisation des élections, à la gestion du portefeuille de l'État, à l'organisation de la territoriale, à la diplomatie, à l'indépendance de la justice et à l'instauration de l'État des droits, qui sont un enjeu majeur pour notre nation.
et le président de la République s'était fondé sur l'article 69 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Or, le président de la République a dit qu'il ne laissera aucun engagement politique de quelque nature que ce soit primer sur les ses prérogatives constitutionnelles et sur l'intérêt supérieur du peuple congolais. En fait, en français facile, Edith Chala, on dit que le président de la République a des prérogatives constitutionnelles qui sont inviolables. Et lorsque il par élégance politique, simplement, lorsqu'il s'en va dans un jeu de coalition, il n'hypothèque pas son pouvoir parce qu'à tout moment, il peut le reprendre. La preuve, c'est que c'est sur base justement de ses prérogatives qu'il exerce seul qu'il a pris cette décision d'organiser des consultations qui ne sont pas des conciliabules politiques, qui ne sont pas non plus des accords. Il n'est pas en train de signer des accords. Ce ne sont pas des négociations, encore moins des dialogues. Il n'est pas en face des protagonistes, mais il est le père de la nation et les garant du bon fonctionnement, et à ce titre, il reçoit toutes les personnalités significatives de notre pays. Cela s'est fait également, on l'a suivi, hein. Lorsqu'il y a une question majeure, on crée une espèce d'union sacrée, on l'a vu en France, on a Emmanuel Macron plusieurs fois consulte même ses prédécesseurs, on l'a vu un peu partout, et lui, il le fait avec sa population, il élargit les champs, hein, il ne reste pas que ouvert aux politiques, mais il va au-delà. Hein, ne pensez pas que tous ces personnalités qui sont passées ici viendraient demander des postes. Le cardinal Mosengo n'est pas venu négocier un poste de responsabilité, encore moins Monseigneur le premier vice-président de l'ECC qu'on a vu passer, ou encore des imams de la Comico, tout comme d'ailleurs tous les autres acteurs des institutions d'appui à la démocratie. Donc c'est là la particularité des consultations, des entretiens, une série d'entretiens ouverts, sans tabou, sur toutes les questions, et pour que se donner un caractère solennel, voilà que les antennes de la RTNC sont dédiées à cette actualité et que rien ne s'est fait dans des conciliabules et tout s'est fait au vu et au su et les déclarations sont suivies en direct. Merci Giscard Koussema pour ces éclaircissements et ces éléments sur ces consultations qui se tiennent dans la suite du discours du président de la République, chef de l'État, le 23 octobre dernier, consultations qui vont devoir déboucher sur des décisions du président de la République qui n'excluront aucun cas de figure. Ça c'est dit par le chef de l'État dans ce discours. Les consultations ont donc commencé peu avant midi. Ce jour, avec la Commission électorale nationale indépendante, suivie du Conseil national du suivi de l'accord, la Commission nationale des droits de l'homme, et puis quelques personnalités comme le cardinal émérite Laurent Mosengo, le président intérimaire de la Commission d'intégrité et médiation électorale Simé, l'imam Moussa. Il s'en est suivi le Conseil économique et social. Il y a le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC. Il s'en est suivi d'autres organisations, la plateforme des organisations spécialisées dans le suivi du processus électoral qui ont été consultées par le président de la République. Vous avez vu les CCE, l'église du Christ au Congo, qui a eu une délégation d'environ 5 personnes. Et puis, en ce moment, c'est la communauté islamique du Congo, Comico, qui est en train d'être consultée par le président de la République. On vous rappelle quand même que cette communauté, longtemps divisée sur sa représentation, se trouve aujourd'hui unie. Pour répondre à l'appel du chef de l'État, cette communauté est
aujourd'hui représenté par une dizaine de personnes. Toutes les franges de ces visions sont là représentées. Ils vont écouter le chef de l'État et le chef les écoutera. Forcément qu'il leur prodiguera aussi des conseils sur l'unité indispensable pour eux. Ils représentent une communauté, une confession religieuse. Il faudrait bien qu'ils mettent en avant-plan les valeurs divines qui sont celles de l'unité, de l'humilité, mais aussi de la compréhension mutuelle. Et cela est impératif entre frères et le prophète Mohammed, qui le suivent, leur a prodigué beaucoup de conseils dans ce sens. Ils ont le courant pour s'en référer. Voilà donc, se poursuivent ces consultations. À présent, nous attendons d'autres groupes qui semblent ne pas se terminer. Et puis, il y en a encore beaucoup. Il y a les églises de réveil qui sont là. Il y a l'armée du salut. Il y a l'orthodoxe. Il y a les églises de Bangunza, les églises du Troisième Testament, le Haut Conseil des églises de réveil, il y a la pastorale congolaise de la Porte à Motombo, Léopold, il y a les églises indépendantes du Congo et les églises de réveil, mais nous avons vu aussi parmi les personnalités présentes là-bas le pasteur Baouti de Baroti Tabernacle, qui lui aussi sera parmi les personnalités qui vont être consultées par le président de la République. Ce sera dans cette soirée, visiblement, rien n'arrêtera le chef de l'État. Il va poursuivre jusqu'à ce qu'il épouse son agenda de ce jour, qui prévoyait 21 groupes au programme. Et lentement, mais sûrement, il reçoit les différents groupes et petit à petit, nous pensons que nous allons avoir l'énergie d'accompagner cette cérémonie jusqu'à la fin. Afrique et Congo. Kweli Ebichala, tunazuri kuendelea, kwani rais wa jamhuri anaendelea tu kupokea vikundi mbalimbali. ACC waliweza kumaliza na ACC waliweza kuonyesha mbele ya andishi, aliweza kusema kwamba yote yenye tuliweza kuongea na rais wa jamhuri inatokana tu na shaba ya rais wa jamhuri, kwani wakati tuliweza kusikia kwamba amealika hali ya mazungumzo kwa kuweza kuzungumza na vikundi mbalimbali cha kutafuta suluhisho kutokana na mambo ya nchi, walikuwa kabisa tajari ya kuweza kuzungumzia nayo, na wote waliweza kabisa kuwa na maulizo yenye waliweza kutoa kutokana na kanisa. Waliweza kumwonyesha namna gani inafaa kufanya juu ya kuweza kutoka katika swali hiyo, na waliweza kumkabidhi masemi yao katika kibarua, na nasema kwamba hawezi kuwavumbua vile, lakini wanajua kwamba rais ataweza kuona masemi yao katika kibarua, ataweza kuwasoma na yote itaweza kupatikana kutokana na suluhisho yenye rais anatafuta ndani ya nchi. Kwa hapa sasa ni kumiko, yani muungano wa Waislamu wa Kongo, wenye hata kama walikuwa na mzongano kati yao, lakini kutokana na aliko ya rais wa jamhuri Felix Antoine Tshisekedi, muungano wa Komiko wote wanajiunga sawa mtu mmoja, na wanasimamiwa na Sheikh Abdallah Mangala, ndio wanapokelewa na rais, na kwa hapa sasa wako naongea pamoja na rais. Tunafikiria kwamba kutokana na hiyo mzongano yao, hata Waislamu wengine wenye kupatikana majimboni wanaweza kuacha kabisa hiyo fujo na fitina yenye ilikuwa kati yao, sababu leo wote wameungana sawa mtu mmoja na wanapokelewa na rais wa jamhuri sawa vile baba wa taifa, ataweza kabisa vile vile kuwashauria na kuweza kuwarudisha tena sawa mtu mmoja jinsi Waislamu waliweza kuwa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwani tangu zamani tunajua kwamba Waislamu wako mtu mmoja, hawagawanyake, wote wataweza kurudi tena sawa mtu mmoja, hiyo muungano ya Waislamu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi kutokana tu na jinsi rais iko naendelea kabisa kuhusiana na vikundi mbalimbali, tunajua kwamba kweli leo iliweza kuwa zamu ya baraza la raia na vikundi vingine vyenye kuhusika na makazi ya nchi, pia miungano mbalimbali ya makanisa
wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wote wako napokelewa. Pale tunaona komite wamekwisha kuingia, utaweza kazingine unaweza kuwa kuna zamu sasa ya Ahmedi Salita, ni wao wako tajari. Orthodoxe nao vile vile wako tajari kwa kuweza kupokelewa kina rais. Kuna makanisa ya kuamka, hiyo tunasema Vizerodoyo. Kuna makanisa huru ya Kongo, kuna Pastoral National Congolaise ya Apotre Leopold Mutumbu Kalungu ya ministere amene. Kuna vile vile mshauri kuu ya makanisa ya kuamka, kuna kanisa ya Troisieme Testament, kuna vile vile kanisa ya Banguza, ninatoka kuwaona wanatoa mkuyurio kweli. Makanisa vigundi vyote vya makanisa wote wanapenda kabisa kutoa mchango wao juu ya maendeleo ya nchi, juu ya amani katika nchi, kuweza kumaliza mafitina mbalimbali umekuwa katika nchi. Kwani rais wa jamhuri, nia yake, shabaha yake ni kusema Kongo iwe moja, ibaki moja, haitagawanyika hata siku moja. Raia wa Kongo wanapasha kuwa moja na wanapasha kufaidia kumali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika hali ya amani pia usalama. Hakuna mfanya siasa mmoja atakuja kugawanya Kongo au kuiba udongo wa Kongo na kuweza kuuzisha nje. Hakuna. Basi ndio shabaha ya rais ni kusema kwamba Kongo inapaswa kubaki moja kila siku, haitagawanyika hata siku moja. Ni muhimu kabisa mazungumzo hiyo yenye rais wa jamhuri Felix Antoine Tshisekedi ameendesha kwa siku ya leo, kutokana na hotuba yake yenye aliweza kusema mnamo tarehe 23 Oktoba iliyopita. Aliweza kusema kwamba hataweza kufungua mazungumzo pamoja na vigundi mbalimbali, hata wafanya siasa, kwani hata vigundi vingine sawa vile Filimbi, Walucha, wao vile vile wataweza kupokelewa na rais kutokana na protokolo ya rais. Nasema kwamba nao vile vile wataweza kupokelewa, wafanya siasa mbalimbali wa Kongo nao wataweza kupokelewa vile vile, juu tu ya kuweza kutafuta umoja, masikilizano ndani ya nchi. Kongo ni raia wa Kongomani, ni raia wenye wanazoea kuishi pamoja, wanazoea kuishi katika mahusiano, katika mazungumzo, katika mapatano. Wakongomani hawajui hiyo maneno ya mafitina ya kugawanyika huko na huko, hapana. Mkongomani ni mtu mwenye anaishi katika hali ya umoja. Basi inafaa tubaki tu katika hali hiyo ya umoja bila kugawanyika. Ni shabaha kubwa yenye rais wa jamhuri anatafuta kwa siku ya leo, akisema kwamba mkongomani anapaswa kubaki sawa, mtu mmoja, Kongo anapaswa kubaki mmoja. Basi ndio mahusiano hiyo, mazungumzo hiyo tunaendeshwa kwa kuweza tu kurudisha Kongo moja, sawa vile leo tunaona muungano wa Waislamu wa Kongo. Hata kama walikuwa na mzungano mafitina kati yao, lakini leo wakati baba wa taifa amewaalika wote, wote wanarudi sawa, mtu mmoja. Wao wanamaliza mazungumzo yao pamoja na rais wa jamhuri. Tunaona kisiwa wanatoka wakiongozwa na Sheikh Abdallah Mangala mwenye alikuwa mbele yao. Leo muungano ya Waislamu wanamaliza, bwana Dichala utaweza kuwapokea kwa kuweza kuwauliza maonyo yao. Merci Astrid Congo. Voilà que la communauté islamique du Congo vient d'être consultés par le président de la République et ils sont sortis. Nous allons faire comme nous avons fait pour tous les autres qui sont sortis de chez le président de la République. Nous leur poserons quelques questions pour qu'à chaud ils nous disent en quoi ont consisté les échanges qu'ils ont eus avec le président de la République. Imam vient d'être reçu par le président de la République dans le cadre de ses consultations. Est-ce que l'on peut savoir de quoi avez-vous justement parlé avec le chef de l'État? Je pense que tout le monde a suivi le discours du chef de l'État qu'il convoquait, n'est-ce pas, à la consultation. Et cette consultation qui a été donc l'objet de notre, n'est-ce pas, visite ici, donc l'audience d'aujourd'hui. Mais tout ce qui était passé à l'interne, je pense que le secrétaire général peut vous donner un résumé. En fait, merci pour la question. Je crois que
il n'est pas question de savoir pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour répondre à l'appel du chef de l'État en rapport avec son message à la nation. Et la communauté islamique a essayé d'apporter sa contribution, sa réflexion au message du chef de l'État en conseillant, en donnant son point de vue par rapport à ce que le chef de l'État avait en ce qui concerne la gouvernance de ce pays. En ce qui nous concerne, nous avons estimé que ce pays a besoin de la stabilité, il a besoin de la paix, et qu'il faut consolider la paix, mais il faut également améliorer la gouvernance de ce pays. Et pour cela, je crois qu'il est question qu'on reste câblé sur les textes légaux, la Constitution et tous les autres textes. Je crois que nous n'aurons pas de problème. Et que l'alternance est réalisée dans ce pays ne doit pas être... ne peut pas durer simplement un matin. Ça doit se poursuivre pour que nous puissions continuer avec les alternances dans ce pays-là. Voilà les conseils que nous avons prodigués au chef de l'État. Nous pensons que tout le monde doit respecter la Constitution de la République. Tout le monde doit respecter également les institutions de la République. Et voilà, si nous le faisons de cette manière, le pays va sortir, que le chef de l'État tient bien la balance pour que le pays ne puisse pas basculer. La stabilité, rien que la stabilité. Merci. Merci. Bon, parce que vous vous êtes réunis pour rencontrer le président de la République dans le cadre de ces consultations, vous êtes un autre groupe, mais en tout cas, le côté fédérateur du président de la République semble vous avoir mis d'accord dans le besoin du chef de consulter les personnalités ou les groupes les plus représentatifs de la nation. Vous avez eu l'occasion de le rencontrer. Est-ce qu'en quelques mots, nous pouvons savoir qu'est-ce que vous avez dit au président? Oui, merci beaucoup. Mais avant de dire ce que nous avons dit au chef de l'État, j'aimerais bien dire d'abord ce que le chef de l'État nous a dit, nous. Vous savez, nous sommes l'une des confessions qui est entrée en deux composantes. Bon, en tout cas, cela a fait d'abord la préoccupation du chef de l'État. Une communauté telle que la nôtre, qui compte plus de 10 millions de fidèles, que nous soyons, disons, en désunion, séparés comme ça, en tout cas, ça n'a pas plu au chef de l'État. Il a commencé tout d'abord par nous donner des sages conseils et nous promettre qu'il va nous rencontrer pour essayer de nous mettre ensemble. En tout cas, c'est quelque chose qui nous a beaucoup plu, en tant que chef de l'État, qu'il puisse se soucier de notre communauté. À part l'intervention du chef de l'État, nous, à notre tour, nous lui avons essayé de lui citer la sagesse du Saint-Coran, ce que le bon Dieu nous a dit dans le Saint-Coran. Par exemple, la consultation, c'est quelque chose qui est coranique. Alors, nous lui avons demandé de ne pas se fatiguer, de ne pas cesser de dialogue. Chaque fois qu'il y a des problèmes, qu'il passe toujours par cette façon-là. C'est comme ça que nous aurons en tout cas à améliorer la situation du pays. Et c'est comme ça qu'il aura toutes les réalités que la population est en train d'endurer. Merci. Merci beaucoup. Voici donc la communauté islamique du Congo qui vient de rencontrer le président de la République en deux fractions justement. Mais ils ont eu un message du chef de l'État qui leur a promis qu'il s'impliquerait personnellement pour que cette situation ne dure dans une communauté comme la leur. Il faudrait bien que les choses changent et cela sera fait dans un avenir proche. Mais en tout cas, ils ont eux aussi dit au président de la République ce qu'ils pensent des consultations que le chef de la République, le chef de l'État a entamées. Ce sont la stabilité, rien que la stabilité de la République démocratique du Congo, le respect de la Constitution, ce texte fondateur de la République qui est la nôtre, mais aussi les efforts pour la consolidation de la paix. La communauté islamique a exhorté le
président de la République à poursuivre sur cette lancée des consultations chaque fois que le problème se fera, se posera dans la gouvernance de la République, chaque fois que cela arrivera, que les chefs de l'État reprennent ses côtés de père pour écouter les enfants qui tenteraient de s'égarer d'une façon ou d'une autre, pour essayer de les recadrer et reprendre le bon chemin. L'armée du salut est à présent en train d'être consultée par le président de la République. Je vous ai dit que la détermination est évidente. Tous les groupes prévus pour être reçus aujourd'hui le seront, parce que le chef de l'État est là pour ça. Voilà donc l'armée du salut qui, comme toutes les organisations et les confessions religieuses qui les ont précédées, va échanger avec le chef, mais en tout cas, ils se sont tous présentés, que je sache, comme c'était le cas pour tout le monde. Ils passent devant le président de la République, chacun se présente, et puis les consultations commencent, le chef de l'État les écoute, mais il leur dit aussi des choses sur ce qu'ils pensent et du contexte dans lequel s'organisent ces consultations. Vous avez suivi que la communauté islamique, avant qu'elle nous réponde, a pensé que le chef de l'État avait fait une communication à leur endroit, le rassurant de son engagement à les aider à s'unir de nouveau. C'est ce côté fédérateur dont on parlait tout à l'heure qui caractérise le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'explique aussi par le fait que les consultations sont amorcées. Chacun des groupes consultés a fait des propositions à travers un mémo qu'ils ont dû déposer au président de la République, qui les lira forcément à travers ses services, et un recoupement d'idées sera fait. Au finish, le chef, en toute conscience, en toute responsabilité et devant Dieu, prendra les décisions qui s'imposeront dans le strict respect de la Constitution, dans le strict respect des éléments qui forment de la sécurité de la République, mais aussi sur lesquels sont assises les valeurs qui sous-tendent de toute l'action du gouvernement. Aujourd'hui, un tout petit peu en difficulté à cause de mésententes qui ne cessent de se manifester sur la marche de la coalition qui gouverne la République démocratique du Congo. À présent, l'armée du salut va aussi apporter sa contribution à ces consultations. Il s'en suivra l'église orthodoxe, dont les représentants sont devant vos petits écrans. Et puis, les églises de réveil viendront. Nous pensons que nous avons quand même parcouru du chemin avec ces consultations. Mais en tout cas, il y a encore du monde dans cette salle d'attente. Il y a plusieurs salons, il y a encore quelques groupes qui attendent d'être reçus par le chef de l'État. Il s'agit notamment de l'église orthodoxe, l'église de réveil, les églises de réveil, les églises indépendantes du Congo, disons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il y a encore 7 groupes qui sont sur la liste d'attente. Et comme je vous ai dit, rien n'indique que cela pourra s'arrêter dans cette soirée. En tout cas, tous les groupes seront reçus par le chef de l'État et ils nous communiqueront, comme ils le font depuis le début, le contenu des échanges qu'ils auront eus avec le chef de l'État. Nous les écouterons comme nous les écoutons depuis le début. Ça, c'est la RTNC, la télévision nationale, la télévision des grands moments, qui ménage aucun effort pour vous faire vivre ce genre d'événements. Vous êtes là depuis 11h30 à suivre ces entrées, ces sorties auprès du chef de l'État qui avait promis ces consultations avant de prendre les décisions qu'il compte prendre pour la marche de la République démocratique du Congo. Ces consultations qui interviennent dans un
un contexte de mésentente évidente entre la coalition au pouvoir, le Fonds commun pour le Congo et le Cap pour le changement, qui n'arrivent pas à accorder leur violon sur ce qu'ils conviennent de faire en priorité pour la République, les questions essentielles sur lesquelles les divergences perdurent. Il s'agit de la diplomatie, de la territoriale, de la sécurité, de la justice, de la réforme de la Commission électorale nationale indépendante, plusieurs sujets, mais qui représentent en fait l'essentiel même de l'action publique. Et de ce point de vue, il faut bien repenser cette coalition si, à la limite, on n'arrive pas aux décisions extrêmes. Il faudrait bien que le soit repensé pour que la République bénéficie de sagesse qu'il y a de part et d'autre. Le chef de l'État l'a reconnu dans son discours, que dans un camp comme dans un autre, il y a des personnes animées de bonne volonté qui travaillent pour l'avancement de la République. Mais il y en a d'autres aussi qui sont animés d'un esprit rétrograde, qui estiment que la République doit travailler pour eux et que eux, tout doit se faire pour eux, qui gênent sensiblement l'action du président de la République, et cela ne devrait pas continuer dans ce sens. Et pour cela, en tout cas, il n'y a pas de place pour eux au sein de l'équipe qui dirige la République dans cette coalition. Il faudrait bien voir des voies et moyens de les extirper de cette équipe gouvernementale et réduire sensiblement leurs influences pour ceux qui ne sont pas dans l'équipe gouvernementale mais qui sont à l'extérieur en train de tirer les ficelles pour alourdir l'action du gouvernement et plomber tous les efforts qui sont entrepris dans le cadre du développement de ce pays. Le président a décrié ce genre de comportement et je crois que la République avec lui décriera ce genre de comportement et s'engagera dans toute voie qui sera de nature à mettre découpés ces individus nocifs pour le développement de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas une première dans chaque génération. Il se trouve toujours des individus qui travaillent à contre-courant de la volonté collective, des efforts collectifs. Il faudrait donc faire avec et je crois que les consultations vont permettre au chef de l'État de recadrer les choses pour que les plus volontaires qui travailleront avec abnégation sont ceux qui profitent des occasions qui leur seront offertes dans le cadre des postes de responsabilité. Le chef de l'État, je vous le disais, ou alors Giscard Kossema l'a rappelé chaque fois qu'il avait la parole, ces consultations ne sont pas un cadre pour le partage équilibré, équitable et tout ça du pouvoir parce qu'il n'y a aucun problème. Le chef de l'État estime qu'il faudrait reconsidérer la façon dont la République est gérée par la coalition au pouvoir et cela n'implique que sa décision qui sera enrichie ou qui sera très bien éclairée par les consultations qu'il a entamées depuis quelques heures maintenant. Le président de la République qui dispose bien des prérogatives qui lui permettent de trouver des solutions en pareille circonstance estime que les questions sur lesquelles les divergences persistent dans la coalition nécessitent l'adhésion de plusieurs membres de notre société, en tout cas les plus représentatifs, doivent dire un mot sur ces questions. Ces questions dont on vous parle depuis le début, les questions relatives à la diplomatie, les questions relatives à la territoriale, les questions relatives à la sécurité, les questions de la justice, les questions de la réforme de la Commission électorale nationale indépendante. Donc, des questions essentielles pour la vie d'une nation qui entre à les mains de quelques individus estime que c'est une possibilité, c'est une opportunité pour ces personnes ou personnalités d'imposer leur loi
en se faisant passer pour le centre de la terre. Je crois que ce n'est pas le cas. Personne n'est indispensable. Le chef de l'État certainement va échanger avec ses différentes personnalités, mais il va avoir à l'esprit la volonté de tous de maintenir la stabilité des institutions, la stabilité de la République, la sécurité et la paix jamais acquise, et tous ces éléments, le respect de la Constitution, ces éléments vont guider son action dans les décisions qu'il va prendre. Vous comprenez donc que c'est pour l'intérêt supérieur de la nation que ces consultations sont organisées, et tous ceux qui rencontrent le chef lui font des propositions qui vont dans le sens de travailler pour la stabilité de la République démocratique du Congo. Il serait alors fou d'imaginer que ces consultations vont aboutir à des longues et interminables discussions sur un quelconque partage de pouvoir, un quelconque partage de responsabilité. Ce ne serait donc pas le cas. Le chef de l'État écoutera et à la fin il décidera. Et ce sont ces décisions qui vont changer ou consolider l'environnement politique actuel, et ce sera pour le bien de la République démocratique du Congo. Mathieu Moudiban. Yassoumo Edi Tchara, président du Congo, la commission Mokambe Congo, pour le Mokambe Moyen, la Sima Koyuta, Bakambi Baïki, Kati, Yamasoli, Maria Zako Yamabango, Yakoja Mokambe Moyen, le Mokambi. Ya ekolo Congo démocratique lokola elembo tope ndakisa ya bomoko babane ekolo Congo pe lokola mokambi ya yambo pe kongole ya yambo kati ekolo ya biso na ntina ya kozonga lisusu epai na yango mpona koyebisa bango mikano miike na mikoyo kozwama osima ya boyokameli babotama bayebanso azali koyoka Félix Akoteketi Lombo ye ayuti koyamba na elingomba komiko Yambosika, Yambi, Armée d'Isali, Kasi, Nalingomba Komiko, Ezalika Kabu Yambite, Lolenge, Bakambi Nenga Nengo, Kasi, Nabayingomba Komiko, Ezaki, Nabuyi Bale, Nabozangi, Boyokano Kati Yabango, Paraka, Ole Komokambi Ekolo, Ayaba Yambi, Baye Bango Banso, Nzela Yoko Penena Zomi, et la Kisete, Masolo maye mokambe kolo azali kokamba eza litomba linene mpona lisanga na biso banso mpona nini te mpona bomoko okati ya biso mpe bomoko boye tokomema ngo okati ekolo ya biso Congo démocratique lokola mosangisi lokola moto ona azali kotalisa elembo ya bomoko okati ekolo Congo démocratique ye wana asangisaki bango okati ya masolo ayokameli ngambo ibale pe esa lokola ngambo yoko lolenge bayambemaki epai na mokambe kolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tukundulela bino ete bakambi bayike baye mokambe kolo akaboli masolo na bango na banzi azali tata azali kokoma yango mpe ayebi mayemanso makoki kozala makanisi ya bayike na kozilaka kaka na poko ya lelo lolenge tobaki akoyamba masanga 21 kino sika batikali be masanga sambo maya koyamba zomi na mine ayambi uto ngonga zomi na moko na ndambo weto bandaki mosala moye mpona ntina ya kotalisa bino lolenge masolo maso maza koleka kati ya radio télévision nationale congolaise boyebi litomba ya masolo maye mazali se mpona ntina mokambe kolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ake la bongo lisanga babengi Union Sacrée de la Nation Congolaise. Alors mpona bokeli yango mpona bokeli yango esengeli sika ayoka lolenge kani moto na moto masanga na masanga na makanisi mabango maye bazali na yango mpona ntina ya kosangisa bomoko ya botomboli misala miike okati ekolo ya biso Congo démocratique yango ezali yoko etingia ya masolo maye mokambe kolo azali kokamba epai lisusu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abe ete masolo maye mazali mpona boyokani te lolenge bokaboli mpivo eza yango te bomoni te esika bato bakotya maboko na mokanda mpo bete tosali bobembani bwa mpivo ezali bongo te ezali be koyoka makanisi ya boko babotama boko bakambi ezali lolenge kani mpona ekolo ya biso mpona makambo maiki okati ya ekolo mpo lisusu masolo maye mokambi ekolo azali koyokamela bango eza lokola tata
na kati ya ndako asa koyoka bana baye kolandima bosenga boye bango bazali na yango nde azali koyoka mela bango. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobaki ete pona lobiko to bengi sali pona lobiko ya bana na ekolo Congo démocratique pona ebiki elamu ya bango akokite kosombitina yango na makanisi moko na bobebani moko pona tina kosombitina yango alobi akokite kosala yango pe bosombitini moko te bokokoza likolo ya buku likonzi mobeko ekolo te maimonso azali kosala maimonso azali kokamba kolandema buku likonzi mobeko yekolo ya biso Congo démocratique nde yango ezali kopesa epusa na mokambi ekolo kosangisa kati na masolo ya bana na ye na kati ya ndako na kati ya ekolo okati ya mboka okati ya engumba mpona nini te asolola na bango pamba te bazali baye ye nde moto azali mokambi ya bango okati ya ekolo tala kati na masolo maye ye azali kosala awa okati ya palais de la nation ezali nde mpona ntina koyokamela makanisi mabana baye koyokamela moko na moko okati ya mabongisi na yango tomoni bakambi baike baleki baeza kokamba masanga matali misala ya leta okati ya ekolo soki nabi yango soko totali seni ezali sanga liyo kokamba misala ya leta seni esalaka bongo misala mitali mapona okati ya ekolo tokeye lisusu na sensa ezali makambo ya leta SNDH CESAC CES CIME maimaso ya la yambi ezali bongo kotalisa ndenge nini bana ya ekolo Congo démocratique bazali na bosenga ya kobiko kati ya bango mpona kotombola makambo maike mpona kotombola ezala ebikeli ya bango okati ya ekolo eyemei azali kokamba eyemei alingi ete mbongwana ya solo emonisama mbongwana eye ekozala na bipimelo biso okati ya ekolo ya biso Congo démocratique lolenge mokambi ya ekolo ye moko azali kosala yango na banzi ete na kati ya masolo maye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayebi nini oyo ya kosala ezali te azali kosolola na bato po ete baloba no ezali likambo ya bokaboli mpivo ezali boye te ezali likambo ya kopesa mikano mia ye kasi yambo ete abimisa mikano mia ye nde alingaki koyokamela bato baso baye bazali kosala mosala eza mosala mwa leta ezala ba independant ezala baeza kokamba biyamba bakambi misala mia ntoki misala mia zebi okati ekolo ya biso baza na litomba yango lolenge masuma bandaki lelo ngonga ya zomi na moko na ndambu mpona koyamba bato ekokoba kino ezala bayi politike bakoleka masanga maike makoleka mpona kotalisa ete ya solo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali netingia e azali kolanda lolenge nabaki ezali te likambo likozwa mikolo miike mposo nzike sanza meke te ezali na mikolo mie ye abongisi melaka ya mokuse po asala mosala moye mpe akoma kino na suka na yango apesa makanisi maye soki totali malamu mpenza mokambi ekolo lolenge alobaka yango mobu 2020 ezali mobu ya mosala mosala mozali kosalema mosala mozali komonisama okati ekolo ya biso Congo démocratique misala miike mifandisami misala mia leta misala mia bosembo misala mia bazuzi manso mifandisami na lolenge ya malamu mpe misili kobanda na yango disikulu ya mokambi ekolo oyo asalaki mokomwa mitano moleki ezalaki be na miniti motoba kasi makambo manene kati ya miniti motoba basalemaki osima mikolo mibale ete bazuzi ya cour constitutionnel balapa ndayi ya bango mpona ntina ya kobanda mosala okati ya cour mei etalisi ete misala mia bosembo miza kotombwama bongo litomba yango mambi matali bosembo maza komema biso wapi mambi matali bosembo kolandema makanisi ma mokambi ekolo maza koma biso na botombwami bo ekolo lolenge babaki ete bosembo etombolaka ekolo esuki wana te mpe lisusu kati ya mabongisi mpe mbuma eye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ameli bana ekolo Congo démocratique état de droit état de droit moto pamba azali te moto moke azali te bosembo bozali te mpona bato songolo pakala te bosembo bozali mpona moto nyonso mpe mibeko mizali likolo ya moto nyonso moto aleki mobeko azali te sala mosala mwayo enge bene na mobeko sala mosala mwayo enge bene na litomba lya babotama sala mosala mwayo lolenge buku likonzi mobeko ekolo ya biso ezali kosenga mpe lolenge mokambi ekolo alingi ete ekolo ekende boso mpe na bosali mosala na etape yoko na yoko eteni yoko na yoko ekozala malamu ekozala esengo lolenge mo aza kolobe ete esengeli tozala na ekolo Congo
oui, zali na mon peuple molamu ya botombo ni misala miango mon peuple molamu ya kokende oboso okati mabongisi be mambi maike kolo abiso yangonde ezali penza moboko ya masoro maye mokambe kolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azako kabola na babotama moboko ya botombo ni okati ya République démocratique du Congo moboko ya bomema mbongwana okati bikeli ya bato moboko ya bana kolo Congo démocratique ba bika na lolenge elongo bani na lolenge ya malamu bilenge ba bazali ndole esengeli pe ndole ya bango eba komi lenge la ma uto bazali bilenge uto bazali koleka na bitelo ya yambo ya ntei ya likolo ya université pe ezali bongo litomba linene liye mukambe kolo azali kolinga ete ezala na bipimero biso okati kola biso Congo démocratique mpona litomba ya bana bana baye baye azali kokamba mpona katina masolo manene maye mazali kosalema masolo maye mazali be nzila yoko ya boyokameli babotama nzila yoko ya boyoki bosenga bwa bana ekolo Congo démocratique aussi ma yako yamba bayi eyamba armée disali mais bazo misiko kati ya bilo elongo na mukambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na banze ete eyamba orthodoxe bango mpe bazali awa bakoyambema mokolo mwalelo epai na mukambi ekolo ba église de réveil biyambo tobengaka biyamba ya réveil bango mpe babongisami mpona koyambama epai na mukambi ekolo tomoni bayike bakamba bango bazali wana okati ya bilo bafandi bazali kozela ngonga na ngonga eye moko na moko ekokoka mpona koyambama eyamba indépendante du Congo bango mpe bakoyambama bongo pastorale nationale congolaise ya apôtre Mutombo ye mpe azali tomoni okati ya bilo eleko ya ye bakomoyamba epai na mukambi ekolo au conseil des églises de réveil et l'ipingali nene lina likoyambama église du troisième testament et que bongisa mipe bazali wana okati ya biro bango pe baza kozela ngonga ya bango po mokambe kolo ayamba bango bongo ekosuka na église bangunza église bangunza bango pe asili koyingela bazwi bato na bato bazali esika bafandi na ngonga na ngonga kozala bongo libaku ya koyamba bango mpona ntina ya koyoka mela bango epai na mokambi ekolo tobanzi ete masanga maye manso lolenge malengelamaki na kati ya moko mwalelo mwa yambo mwa mposo bango banso mokambi ekolo akoyamba bango kino na suka kino akosukisa na bango nde mosala moye mpona mokolo mwalelo mokosuka mpo tokoma lobi mokomwa mibale mwa mposo ekozama misato sanza zomi na moko mobukoto ebale tuku ibale tokomi nano kuna te tozali mpe moko mwa yambo epai wapi sika mokambi ekolo azali koyamba bakambi babiyamba lolenge nabisaki bino ete koyamba bakambi babiyamba biye bizali te ka lolenge aza koyamba bibongo kasi ezali mpenza likambo linene eza komonisa ezala boyokani ezala bobembani ezala bomoko boza komonisama okati ya bakambi babiyamba bayike baye mokambi ekolo azali koyamba kati na oyo esika elembo ya botalisi ete République démocratique du Congo kati ya bituka biyango tuku mibale na motoba okati ya bingumba territoire secteur bipai biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alingi baye baza kobika kuna babika na bokeseni te baza kobika kuna babika na bomoko babika na bolingo babika na botombwami babika na bomoi bolamu kati ya bango na ebikelelamu kati ya bango mpe ezali nzila eyazali komema pamba te esima mibu mibale mokambi ekolo amoni ete mpe asosoli makambo maike maye mazalaki okati ya linaka na ye mpona ntina bomembo etombwami na mibu mibale miye miike mizali kosalema te mizali kosalema te mpona nini elembetelo motuna kasi mwa bipekiselo mwa mikakatano mwa bikolongo bizali mpona kobuka bikelongo bilina atali ete ezali mpe nzila ya kofanda kosolola mpe koyuka makanisi ya boko bakambi baye bazomi okati ekolo na mosala mwa leta moye bazali kosala na misala mia ndenge na ndenge soko na koyoka makanisi mabango soko na kokoma kino na suka na yango sika ngai lokola mobateli ya ekolo ya buku likonzi obeko ekolo mokambi wa yambo ya bana ekolo Congo démocratique nazali mpe na mikano mie ngai na kokamata mikano mie na kokamata mikozala be mpona bopesi nzela elamu ete misala mikende oboso ete bana bangai okati ekolo babika na lolenge ya malamu wana ezali nzila ezali makanisi mpe ezali mikano mie mokambi ekolo
Félix Antoine Sekechi Lombo azali na yango pona tina ya masolo mais azali kosala kasi na bazete na suka na yango lolenge miatuku mbaina misato sanza ya zomi alekaki o radio télévision nationale congolaise okatia bilo ya mosala pona tina kopesa sango pe lisukulu eyetuza kososolela bino eteni na eteni nkota na nkota kasi na sima masolo ma emanso pe mokambe kolo a lakaki ete akozonga be lisusu boso ba babotama babotama bazali baike bazali kati ya bituka bazali kati ya bingumba kasi babotama bana totalisami na bakambi baye bazali kokopusa na pe mokambe kolo azali kokamba bango mokambi na mokambi azali elilingi ya boko babotama baye azali nango ndakisa bakamba biyamba bango nde bakambaka bandimi okati ya biyamba ba bango bamonisi elongi ya bango pe ya bandimi baye bango bazali kokamba bakambi ya lingomba ya seni bango balengelaka mapono mana basalaka mapono ezali babotama batalisi mpe elongi ya seni batalisi elongi ya babotama ezala sensa mpona kobatela kimia mpona kobatela bobembani mwasin sylvestre se elongo na bambotama ya wana lobi ete bakambi na bakambi baza koleka baza kobema elilingi ya